Pour ce tuto tricot numéro 10, je vous propose de tricoter un gilet sans manches pour enfants, donc il est décliné de la taille 4 ans au 16 ans. Là, vous le voyez, je l'ai tricoté de nouveau avec trois qualités de fil très différentes et même des points assez différents, ce qui ne pose pas de problème puisque vous savez qu'on recalcule tout en fonction de votre échantillon. Vous pouvez utiliser les aiguilles et la laine que vous voulez. Mais rendons d'abord à César ce qui appartient à Jules. C'est un modèle qui est de chez Fil d'Art et que vous trouverez sur le site de Prima. Je vous mets le lien parce que parfois sur ce site c'est un petit peu difficile de trouver des modèles, des gilets sans manches ils en ont plusieurs et j'ai un petit peu galéré pour tomber dessus pour tout vous dire. Initialement ce gilet Fil d'Art est tricoté avec un fil qui s'appelle Fil Express de chez Fil d'Art évidemment, coloris jean de pelote en l'occurrence pour le modèle 4 ans. Alors j'ai choisi de faire le tuto en utilisant le même fil. Vous pourrez refaire les calculs avec votre fil, mais le tuto, lui, est fait avec ce fil express, si ce n'est que j'ai utilisé des aiguilles 12 au lieu d'utiliser des aiguilles 13, ce qui m'a posé quelques petits problèmes de tension de fil, mais vraiment rien d'insurmontable. Voilà le patron de ce modèle. Alors, j'ai rien modifié, à ceci près qu'en bas, je fais une petite bande de point mousse pour éviter que ça roulotte, et que j'ai dû diminuer très légèrement la largeur des devants parce que j'avais pas assez de laine. À propos de ça, pour calculer la quantité de laine qu'il va vous falloir, je vous mets ici le lien vers la vidéo que j'ai faite, qui vous permet de savoir à l'avance la quantité de laine dont vous allez avoir besoin. Mais pour ça, il y a deux choses. La première, c'est qu'il faut que vous ayez fait votre échantillon. Et la deuxième, c'est qu'il faut que vous ayez fait la totalité des calculs adaptés à votre échantillon et évidemment dans la taille que vous souhaitez. Donc je vous mets maintenant un deuxième lien, ça va vous emmener vers la totalité des calculs qui se trouvent en toute fin de vidéo, puisque habituellement je fais les calculs au fur et à mesure de la vidéo, puisqu'il s'agit d'un tuto pour débutant total, donc je fais les choses petit à petit, mais là vous aurez tout ce qu'il vous faut pour pouvoir prévoir à l'avance la quantité de laine exacte à 10% près, qu'il vous faudra. Ce qui est une bonne chose, puisque moi, vous voyez, je me suis rendu compte que deux pelotes, c'était ric-rac. Et comme le magasin n'est pas à côté, je n'ai pas pu aller en acheter d'autres. Donc, je me suis débrouillée pour adapter un petit peu le modèle en fonction de la quantité de laine qui me restait. Et croyez-moi, c'est bien utile. Bon, ben, je crois que c'est tout. Ben, je vous laisse visionner cette vidéo. Donc, d'abord, la présentation des différents modèles que j'ai faits. Ensuite, ben, évidemment, l'échantillon. Et puis, on attaque le tuto. Pour le petit gilet que je fais pour le tuto, donc il est en taille 4 ans et j'ai utilisé comme prévu dans le tuto lui-même le fil express de chez Fil d'Art. Donc ce sont des pelotes de 200 grammes qui font 60 mètres avec 80% d'acrylique et 20% de laine. Alors j'ai eu trois petits soucis sur ce tuto. Le premier c'est que j'ai utilisé comme initialement prévu par le fabricant des aiguilles numéro 12. Or dans le tuto il est tricoté avec des 13, ce qui lui donne quand même beaucoup plus de souplesse. Sauf que moi, des 13, j'en avais pas, donc je l'ai utilisé avec des aiguilles 12. Mais je vous conseille quand même, si vous pouvez, de tricoter, si vous tricotez ce gilet avec cette laine-là, d'utiliser un fil, des aiguilles un petit peu plus grosses. Deuxième difficulté que j'ai eue, c'est que j'avais vraiment juste assez de fil à tricoter. Pour la taille 4 ans, il est préconisé deux pelotes et j'en avais juste assez, vraiment. Je m'en suis rendu compte suffisamment tôt, ce qui m'a permis de faire les devants un petit peu plus étroits que prévu, de sorte à avoir assez de fil pour terminer. Sinon, honnêtement, j'aurais pas terminé et j'aurais dû me méfier. Bon, par chance, je m'en suis aperçu assez tôt, puisque vous savez que je calcule à l'avance la quantité de laine dont j'aurai besoin. Troisième difficulté, sur les coutures, ici au point arrière et ici en couture invisible, peut-être plus ici, j'ai utilisé le point arrière, donc. Et avec un fil aussi épais, honnêtement, ça fait quand même des coutures super épaisses et un petit peu raides. Donc, manque de souplesse d'une manière générale parce que j'ai pas utilisé les bonnes aiguilles. Manque de souplesse parce que j'aurais dû choisir un autre type d'assemblage. Vous dire aussi, oui, j'ai pas fait de maille lisière, ni sur les manches, ni sur le devant, mais ça pose pas de problème puisqu'il a tendance à se retourner un petit peu, donc il n'y a pas de souci. Et sur le bas, pour éviter qu'il roulotte, tiens, voilà un fil perdu, hop, qui est passé du mauvais côté. Pour éviter qu'il roulotte, je fais quelques rangs de points mousse. Voilà, je trouve ça assez sympa. Bon, sinon, il est bien, hein, ce petit gilet. Je pense qu'avec un fil épais comme ça, c'est vraiment chouette à porter. Et c'est celui que j'utilise de toute façon pour vous montrer le tuto lui-même. Pour celui-ci, donc je l'ai tricoté en 6 ans et j'ai utilisé un fil de chez Katia. Donc là, c'est pas l'étiquette originale, c'est une photocopie, je ne sais plus où elle est. Un fil qui s'appelle Bombay de chez Katia.
Alors, ce sont de grosses pelotes qui font 230 mètres. Ouais, 100% coton et c'est un fil multicolore. Alors, moi, j'aime bien quand on débute, je trouve que c'est bien d'utiliser un fil multicolore puisque, précisément, en faisant rien de plus que du jersey, ça a un effet esthétique assez sympa. La difficulté, c'est toujours la même chose, c'est les rayures qui ne tombent pas en face, notamment parce que l'ouvrage est divisé en trois parties et qu'il est très difficile de faire correspondre les couleurs des rayures, mais bon, honnêtement, rien de bien grave. J'en ai utilisé deux pelotes entières pour ce modèle 6 ans que j'ai tricoté avec des aiguilles 4, alors qu'initialement il se tricote avec des aiguilles 3, 3 et demi. Pour la finition, en bas, j'ai fait une petite i-corde. Voilà, ici j'ai fait une petite i-corde pour éviter que ça roulotte, et c'est plutôt assez facile et assez sympa à faire, si ce n'est que pour ça, il vous faut des aiguilles double pointe, deux aiguilles double pointe, ou bien des aiguilles circulaires, de sorte à faire passer les mailles d'un côté et de l'autre de l'aiguille. Je vous mettrai un lien quelque part par là de la vidéo que j'ai utilisée pour apprendre à faire cette corde. Pour le haut, ce que j'ai fait aussi, c'est que je suis venue rabattre l'angle des devants. Donc j'ai rabattu et puis avec un fil, genre un fil de pêche super fin, mais alors vraiment super fin, ça a été une vraie galère, transparent, je suis venue comme ça faire quelques petits points pour que ça tienne. Je trouve que c'est un côté rétro assez sympa en fait. Voilà. Alors c'est un gilet qui est bien sûr plutôt un gilet de printemps ou fin d'été, début d'automne. Mais ça, c'est notamment parce que j'ai remarqué que j'avais quand même des abonnés. Enfin, c'est assez rigolo. Quand les abonnés le veulent bien, quand ils s'abonnent à ma chaîne et qu'ils le veulent bien, je peux voir de quel pays ils sont. Et il y a quand même pas mal de pays où en ce moment il fait très très chaud. Donc je me suis dit que j'allais faire un modèle avec une laine, avec un coton plutôt de printemps, voilà. Donc on peut avoir effectivement un aspect complètement différent et beaucoup plus estival. Bon, couture au point arrière sur le côté, couture invisible sur le bord, pas de souci. Pas de maille lisière non plus, puisque comme je vous le disais, ça roulotte, donc la finition reste tout à fait correcte. Pour celui-ci, je l'ai tricoté en 4 ans aussi, alors j'ai quand même pas mal de petites bricoles à vous dire. Sur le fil, eh ben, j'ai pris fil Charlie, c'est le premier prix chez Fil d'Art. C'est un fil 100% acrylique et qui est très bien. Et puis il y a vachement de coloris et ça reste à un prix assez abordable. 114 mètres par pelote de 50 grammes qui se tricote initialement avec des aiguilles 4. Alors moi j'ai doublé le fil et je l'ai fait avec des aiguilles numéro 7. Voilà. Et j'ai fait un point d'astrakhan. Donc si j'ai le temps, je vous ferai une petite vidéo parce que le point d'astrakhan, on trouve assez facilement des vidéos pour le tricoter, mais beaucoup moins pour venir donc augmenter sur les côtés. Ici, venir faire l'encolure, ici, diminuer sur le bord. Donc, je verrai si j'ai le temps d'en faire une. Dans ce que j'avais à vous dire derrière, donc j'ai fait l'encolure comme prévu dans le tuto initial. Mais pour devant, je suis venue aussi faire légèrement une petite encolure. Donc, j'ai gardé le même nombre de mailles, évidemment, pour les épaules. Le dos et le devant ont le même nombre de mailles ici. Mais par contre, je suis venue sur le même nombre de rangs, d'ailleurs, rabattre tout ce qui restait au bord. Pourquoi? Parce que je ne voulais pas que ça gêne sous le cou. Et comme j'ai fait un devant assez large, voilà, je trouve que c'était plus sympa comme ça, mais bon, vous n'êtes pas obligé d'adapter le patron, c'est si vous vous sentez de le faire. L'autre chose, c'est que comme c'est un fil épais, je ne voulais pas avoir le même problème qu'avec celui que j'ai tricoté avec fil express. Je suis donc venue faire un assemblage au crochet. Alors, je n'avais jamais fait ça, j'y suis allée comme je pouvais, avec mon petit crochet et mon petit fil. Et finalement, c'est pas mal. Assemblage au crochet sur l'épaule, sachant que j'ai terminé par des rangs en vert. Donc ça fait des rangs verts. Si vous faites deux rangs toutes mailles à l'envers, en fait, c'est comme si vous faisiez deux rangs toutes mailles à l'endroit, c'est l'équivalent du point mousse. Donc une finition assez sympa avec une petite chaînette qui est faite avec le crochet. Sur le côté, pareil, je suis venue faire un assemblage au crochet aussi. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une petite vidéo pour vous montrer cet assemblage en particulier, des fois que vous décidiez, que vous souhaitiez de le faire avec le crochet, et je vous mets le lien quelque part par là. Le point d'astrakhan, vraiment super sympa. Alors ça, c'est un ouvrage qui, vu la forme qu'il a, je pense quand même ça vaut le coup d'essayer d'utiliser un point fantaisie. Alors faites-le au jersey la première fois si vous voulez, parce que comme ça, c'est exactement comme je fais dans le tuto. Et du coup, vous n'aurez pas de doute. Mais c'est un gilet qu'on peut recommencer après avec un point fantaisie. Vous noterez qu'il n'a pas de boutonnière. Donc les devants montent un petit peu l'un sur l'autre. Hein, ça, c'est les dimensions qui font ça. Le devant est plus large que la moitié du dos, si vous voulez. Donc évidemment, ça vient monter l'un sur l'autre. Et là, honnêtement, si je voulais, j'ai tellement de place que je pourrais presque placer des petits boutons. Mais moi, je le trouve plutôt sympa comme ça.
J'ai utilisé pour ce modèle-là, donc en 4 ans, j'ai utilisé 6 pelotes, enfin en réalité 5, mais comme je double le fil, ça m'en fait 6 et il me reste, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste ça, vous voyez, il me reste presque l'équivalent d'une pelote à la fin. Je crois que c'est tout, oui, pas de maille lisière non plus. Alors je regrette peut-être un petit peu sur ce bord-là, puisque le point d'astrakhan ne roulotte pas et donc la finition reste brute telle que je l'ai faite. Bon, après, c'est une histoire de goût. Rien ne m'empêche de venir monter des mailles et puis faire une petite finition sympa ou de venir faire une petite icorde tout le long. C'est pas un souci. Le bas, rien de particulier, il ne roulotte pas puisque, comme je vous le disais, le point d'astrakhan, comme certains points, le point de blé, le point de riz, les côtes, le point mousse, ça ne roulotte pas du tout. Très sympa à faire. Par contre, un peu long, hein. Je vous le dis tout de suite, puis ça bouffe de la laine. Hein. Oh là là, le point d'astrakhan, ça en bouffe énormément, mais j'ai trouvé que c'était une variante vraiment sympa. Ok, ben je crois que c'est tout. On va peut-être pouvoir commencer le tuto lui-même. Pour compter l'échantillon, il faut tricoter d'abord donc un carré de 12 cm par 12 environ. Alors sur ce coupon, vous voyez que de chaque côté, il y a du point mousse. N'en tenez pas compte, je viens de l'utiliser pour tourner une vidéo sur la façon et surtout combien de mailles relever sur les bords. Donc on ne tient compte que du carré de jersey. Petit rappel, une maille, c'est un V. Voilà, donc des V, il y en a partout. Des V qui se succèdent dans ce sens, c'est pour compter le nombre de mailles. Et une succession de V à la verticale, c'est pour compter le nombre de rangs. Donc là, je vais compter le nombre de mailles pour 10 cm. Je choisis le premier V que je trouve. Alors, je vais prendre celui-là. Je me mets juste en dessous dans le prolongement. Je positionne mon réglet correctement et je compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et vous voyez, 6 et demi. Alors pourquoi je tiens compte de ce demi? Parce que j'ai un gros fil. Et plus votre fil est gros, plus il faut être précis. Si votre fil est fin, que vous le tricotez par exemple avec des aiguilles de 2,5 à 4,5, honnêtement, ce n'est pas une demi-maille de plus ou de moins sur 10 cm qui va faire la différence. Si vous êtes avec un fil gros, voire très gros, n'hésitez pas à compter des demi-mailles. Donc pour tricoter 10 cm en largeur, il faut que je monte 6 mailles et demie. Il me faut 6 mailles et demie pour faire 10 cm de large. Pour compter le nombre de rangs, je vais compter donc cette succession de V. Soit la succession de V les uns sur les autres, soit les petits trous qu'il y a au sein de chaque V, c'est exactement la même chose. Donc voilà mon premier V, ma première maille, je me mets dans le prolongement ici. Voilà, je place mon réglet et je vais compter les mailles, donc les rangs, jusqu'à 10 cm. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Hein. À 9, j'arrive à 10 cm. Je peux compter les trous. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Là, c'est le dernier trou. Donc pour tricoter 10 cm de hauteur, il me faut tricoter 9 rangs. Alors je commence d'abord par relever les dimensions qui m'intéressent en fonction de la taille que j'ai choisie. Donc par exemple ici c'est pour le 4 ans, le 6 ans, le 8 ans, le 10-12 et le 14-16. Moi j'ai décidé de tricoter du 4 ans. 33 cm de largeur en tout, 39 en hauteur, 26 ici, 13, 11, 47 cm, 24,5 et 17,5. Je crois que j'ai rien oublié. On va commencer par tricoter le dos, mais comme dans beaucoup de patrons, toutes les dimensions dos et devant sont incluses sur le même dessin. Vous avez même qu'un demi devant et pas le deuxième. Enfin, ça peut être un petit peu compliqué. Donc, je vous donne le pourtour du dos. Donc là, il y a bien une petite encolure dans le dos. Et sinon, voilà, c'est le pourtour extérieur en totalité. Hop, voilà, je fais des traits super droits. Donc le dos se tricote en une pièce et on n'oubliera pas cette petite encolure et vous n'avez pas manqué de remarquer qu'il n'y a pas la dimension de la profondeur d'encolure. Je vais vous la donner parce que je la déduis des explications qu'on trouve sur le site. Je reporte ensuite ces dimensions sur mon schéma. Donc en largeur tout en haut, j'ai 47 cm. En largeur en bas, j'ai 33 cm. L'encolure, pour moi, elle fait 11 cm.
La hauteur totale, hop, jusqu'ici, c'est 39. Et comme je veux le détail, la hauteur de manche, c'est 13. Et la hauteur du bas du pull, c'est 26. À ceci près que moi, je vais faire une petite bande de quelques centimètres de point mousse. Donc je reprends la hauteur totale ici, c'est-à-dire 26 cm. Mais je vais faire une petite bande ici de point mousse qui va faire 3 cm. Donc si j'ai 26 cm en tout et que je fais 3 cm de point mousse, il me reste 23 cm ici à faire en jersey. Alors pour ici, cette profondeur d'encolure, pour tout le monde, c'est 2 cm. Voilà, cette petite dimension-là, là, ici, qui est la même de ce côté, bien sûr. 2 cm. Ok, ben je pense que je n'ai rien oublié. Donc voilà, vous avez fait votre schéma, vous mettez les dimensions qui correspondent à la taille que vous souhaitez tricoter. Je note mon échantillon. Donc moi, rappelez-vous, c'est 6 fois 9,5. Donc vous notez l'échantillon que vous avez compté tout à l'heure. Ça va nous permettre de recalculer toutes les dimensions. Alors, hop, on va commencer par le bas. Je vais réécrire mon échantillon en bas, comme ça on n'aura pas de doute. 6 fois 9,5. Ici, sur le nombre de mailles qu'il me faut monter pour tricoter 33 cm. Ah mais non, je suis bête, j'ai oublié un petit détail. On va diviser toutes les dimensions par 10. 33, ça fait que 3,3, 2,3, 2,6, 3,9. Alors 3, ça fait 0,3, puisque je divise par 10. 47, ça fait 4,7, 1,3, 1,1. 0,2, pareil de l'autre côté, 0,2, et ça doit être bon. Du coup, maintenant, on peut effectivement calculer, transformer tous nos centimètres en mailles et en rang. Alors, pour 33 cm, donc 3,3, je vais prendre mon nombre de mailles pour 10 cm. 3,3 fois 6 est égal à 19,8. Donc, je vais arrondir à 20, ici. Pour ma petite bande au point mousse, c'est pas la peine que je compte le nombre de rangs, je vais le mesurer. Pourquoi? Parce qu'au point mousse, c'est pas le même échantillon qu'au jersey. Là, je le mesurerai directement sur place. Vous pouvez faire cette bande au point mousse, en cotte, en point de blé, en point de riz, il n'y a pas de souci. Je vais donc simplement compter le nombre de rangs qu'il me faut pour faire mes 23 cm. Donc je fais 2,3 et cette fois-ci, je le multiplie par 9,5. 2,3 fois 9,5. Je trouve 21,85. Il faut que vous sachiez qu'en hauteur, c'est toujours, toujours un nombre pair. Donc j'arrondis à 22 rangs. Ici, pour cette largeur-là. Alors on va avoir qu'une seule contrainte, c'est que si ici on a un nombre pair, ici on a un nombre pair, et si ici on a un nombre impair, ici on aura un nombre impair. Ça sera à vous d'arrondir en fonction. Moi, j'ai choisi d'avoir un nombre pair en bas, donc j'aurai un nombre pair en haut. Pourquoi? Parce qu'on va venir centrer. Il faut centrer le bas pour savoir de combien de mailles on augmente de chaque côté. Et si ici on a un nombre impair, j'aurai pas le même nombre. Enfin, le même nombre de mailles de chaque côté. C'est-à-dire que j'aurai une manche ou plus courte ou plus longue que l'autre, donc ça ne va pas coller. Donc, pair, pair. Je prends 4,7 et je le multiplie par 6. Je trouve 28,2. Eh bien, je vais arrondir. Alors, je pourrais arrondir à 28, je pourrais arrondir à 30. Attention, ma laine est très grosse. Donc, 2 mailles de plus, ça s'y connaît. Si vous avez une laine fine, honnêtement, il n'y a pas de souci. Je vais rester sur 28. Mon encolure. On est en haut. 1,1. Elle fait 11 cm de large en ce qui me concerne. Donc, je fais 1,1 fois 6. Et je trouve 6,6. Donc là, je vais rester. Alors là, c'est pareil. Il me faut un nombre pair aussi, puisque j'ai un nombre pair là, et que je vais de nouveau répartir ce qu'il reste des deux côtés. Et pour qu'il y ait le même nombre de mailles ici et ici, après que j'ai enlevé ça, il faut que ce soit pair. Pair, 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 ou impair, impair, impair. Voilà. Donc 6,6, c'est soit 6, soit 8. C'est un gilet, l'encolure n'a pas besoin d'être vraiment très large, donc je vais rester sur 6 mailles.
Alors du coup, on va pouvoir calculer cette dimension-là qu'on ne nous a pas donnée mais qu'on va déduire. Ici. Et donc la même chose de ce côté. Hop. Si j'ai 28 mailles en tout au départ et que j'en enlève 6 pour l'encolure, 28 moins 6, il me reste 22 mailles que je vais diviser en 2. Il y en aura 11 de ce côté et 11 de celui-là. 22 divisé par 2, 11 et 11. Donc j'aurai 11 mailles ici et 11 mailles ici. Voyons maintenant la hauteur des manches, 1,3, enfin 13 cm. 1,3 fois, je prends bien sûr le nombre de rangs, 9,5, ça me fait 12,35, donc je vais faire 12, puisque c'est forcément pair dans la hauteur. Alors il nous reste, ah oui, ben il nous reste, non, non, hey, pas de blague. Il nous reste 2 cm, c'est 2 cm pour tout le monde, donc je vais prendre 0,2 fois 9,5. Je tombe sur 1,9, donc évidemment, moi, ça va être 2. C'est un nombre de rangs pairs, donc on n'a pas vraiment le choix. Donc je mets 2, ou alors il aurait fallu que je mette 4, mais pas 3, c'est pas possible. Donc vous comptez vous aussi votre profondeur d'encolure. Et maintenant, du coup, il nous reste cette petite dimension à déduire. Alors là, je vais la placer juste au-dessus parce que je n'ai pas la place en dessous. Et donc là, réfléchissons, si j'ai 20 mailles au départ et que j'en ai 28 ensuite, ça veut dire que j'en ai rajouté 8. Combien j'en ai rajouté de chaque côté? Eh bien, je fais 28 moins 20. J'ai donc rajouté 8 mailles. Divisé par 2, j'ai donc rajouté 4 mailles de chaque côté. Hop. Et hop. Eh bien, je crois que c'est bon. Il n'y a que ici où je n'ai pas le nombre de rangs, mais je pense que ça sera 4. Hein. Ça me semble un petit peu. Oui, je pense. Alors, Alors, ensuite, ici, donc moi, c'est, je passe du coq à l'âne, hein, vous avez vu, c'est, en fait, c'est parce que j'avais oublié. Ici, moi, je fais du point mousse avec des aiguilles 12 au-dessus. Et pour tout le reste de l'ouvrage, ça sera du jersey avec des aiguilles 12 aussi. Si vous tricotez du point de blé, des côtes, du point de riz, vous pourriez parfaitement tricoter cette petite bande avec des aiguilles une demi-taille en dessous pour que ça ait un effet un petit peu rétrécissant, mais c'est pas obligatoire. L'autre chose que je voulais vous dire, je sais plus du tout ce que c'est, je viens de l'avaler, que vous n'êtes pas obligé de faire cette bande, vous pourriez le tricoter directement en jersey, mais que va-t-il se passer? Ça va très légèrement rouloter sur le bas, et moi j'aime pas bien ça. Alors là, c'est un choix que vous allez faire. Ben, tout est bon, hein, je crois qu'on a tout. Avec mes aiguilles numéro 12, je vais monter 20 mailles et je vais tricoter 3 cm de point mousse. Donc je vais les mesurer, ces 3 cm. Mais par contre, je n'oublierai pas de comptabiliser le nombre de rangs qu'il a fallu que je fasse au point mousse pour ces 3 cm. Pourquoi? Parce que sur les devants du gilet, il faudra que je fasse exactement la même chose. Et c'est quand même beaucoup plus précis quand en plus on note le nombre de rangs. Ça évite d'avoir le moindre doute quand on mesure. Je mesure 3 cm et j'ai comptabilisé le nombre de rangs. Alors avant de monter les mailles, deux petites choses. La première, c'est le fil perdu que je vais garder. J'ai l'habitude de garder en fil perdu 3 fois la largeur de l'ouvrage pour monter mes mailles, donc 3 fois 33 cm, plus 2 fois la hauteur de la couture qui est ici, c'est-à-dire 2 fois 26 cm. Donc là, je le fais évidemment à l'œil. Normalement, je devrais le mesurer plus précisément que ça. 3 fois 33 et 2 fois 26, et je fais mon nœud coulant qui comptera pour ma première maille. L'autre chose, vous voyez que mon fil est un petit peu bizarroïde, il est presque un petit peu frisé. Ça, c'est parce que j'utilise ce fil alors que j'ai déjà tricoté quelque chose avec pour les besoins de mes vidéos techniques tricot. Alors, est-ce que ça modifie l'aspect général du pull à la fin? Très légèrement, il faut bien le dire. Donc, je serai certainement obligée de le repasser un peu pour que la laine ait un aspect quand même un peu plus joli. Mais normalement, ce fil est parfaitement droit, il est d'ailleurs très chouette, donc faut pas trop se fier aux apparences, mais j'allais dire comme d'habitude. Je vais donc monter 20 mailles. Alors ma première maille, c'est mon nœud coulant, fil perdu d'un côté, fil qui mène à la pelote de l'autre, et je monte 20 mailles. J'ai fait une vidéo sur monter les mailles, si vous voulez les monter comme moi, il n'y a pas de souci. Alors habituellement, je mets un petit marqueur toutes les 10 mailles, un petit marqueur que j'enlève après. Pour éviter d'avoir à tout recompter si je suis interrompue. Là, j'ai que 20 mailles, donc c'est pas vraiment un souci. Mais vous pourriez le faire. 2, 4, 5, voilà. Et j'en monte 20. 6, 7,
9 et 20. Je contrôle. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. OK. Mon fil perdu qui me servira à faire la couture. Je l'enroule pour pas qu'il me gêne et que je ne l'utilise pas par erreur en tricotant mon premier rang. Voilà, c'est fait. Et donc, je vais tricoter 3 cm de point mousse et je vais bien penser chaque fois que je tricote un rang à venir faire un petit trait sur ma planche de dessin pour comptabiliser. Alors, le point mousse, c'est toutes les mailles de tous les rangs, tout le temps à l'endroit. Je pique mon aiguille d'avant vers l'arrière, mon fil est derrière. Donc, notez bien quand même l'ironie de la chose. Pour faire une maille endroit, on met le fil derrière. Ça m'épate, moi, ce vocabulaire. À chaque fois, je suis surprise. Allez, et je continue comme ça. Toutes les mailles. Alors, le point mousse est un point réversible. Donc, vous aurez peut-être du mal à savoir si vous êtes sur l'endroit ou l'envers du travail. Lorsque, dès le départ, votre fil qui mène à la pelote est du même côté que le fil perdu, vous êtes sur un rang endroit. Moi, j'appelle ça les rangs impairs. Ça, c'est mon rang numéro 1, c'est bien un rang impair. Et j'appelle ça aussi l'allée. J'utilise rarement l'endroit et l'envers du travail. Je trouve que c'est un vocabulaire qui est trop lourd. Donc là, vous voyez, je suis en train de tricoter mon allée. Et je tricoterai le retour et les allées et les retours suivants exactement de la même façon. Toutes les mailles de tous les rangs à l'endroit. Je termine l'allée, le rang 1. Hop. J'attaque le rang 2. Vous voyez, je suis sur l'envers du travail, c'est un rang pair, c'est ce que j'appelle le retour. Le fil perdu est à l'opposé du fil qui mène à la pelote. Je viens noter que j'ai déjà fait un rang, voilà un petit trait, et je continue. Alors, 4 rangs, ça va dépasser les 3 cm à mon avis, mais comme je ne peux pas faire un nombre de rangs impairs, j'aurai peut-être 3,5 cm. Avec des grosses laines comme ça, de toute façon, c'est toujours le cas. Vous ne pouvez pas diviser un rang en deux, hein, donc du coup, c'est là, soit je suis à 2 cm, soit à 3,5. Hein. Donc, je pense que je vais faire 4 rangs en tout. Alors, comme c'est bien souvent le cas avec moi, je crois que je vais me raviser. Observons. Ici, j'ai déjà presque 3 cm au bout de 2 rangs. Si j'en fais 4, ça va me faire pas loin de 5 cm. Un peu plus de 5 cm. Et il se trouve que c'est un gilet 4 rangs et il faut que ma bordure garde une certaine proportion par rapport au reste de l'ouvrage. Je vais donc rester sur 2 rangs seulement de point mousse. Alors, je vais maintenant attaquer la partie jersey. Déjà, pour ceux qui ont utilisé des aiguilles légèrement plus petites pour la petite bordure, n'oubliez pas de changer d'aiguille. Alors, la première, on n'oublie pas, mais très souvent, on oublie de changer la deuxième et ça va finir par poser des problèmes. Ce jersey, j'ai a priori 22 rangs à faire. Je mesurerai aussi, je comptabilise le nombre de rangs pour être sûr que les devants soient de la même hauteur que le dos. Le jersey, c'est tous les rangs impairs. Là, je suis sur un rang impair. Toutes les mailles sont tricotées à l'endroit. Donc sur l'allée, tout à l'endroit. Et sur tous les rangs pairs, sur tous les retours, toutes les mailles sont tricotées à l'envers. Je termine mon rang 1 de jersey, je passe au rang numéro 2 et c'est là que vous pensez bien à changer votre deuxième aiguille si vous aviez des aiguilles plus petites en bas. La maille envers, je pique sur le devant. Vous voyez, je ne suis plus sur l'arrière comme tout à l'heure, je suis sur le devant et d'ailleurs mon fil est devant. Et j'entoure mon aiguille comme ça. Voilà, ça c'est une maille envers. Donc vous voyez, la maille envers, le fil est devant, waouh. Bref, et donc tous mes rangs pairs seront tricotés de cette façon. Allez, ben je vais avoir terminé mon deuxième rang et j'en ai 22 à faire en tout. Donc on se retrouve sur la fin du 22e rang. Voilà, j'ai tricoté mes 22 rangs de jersey. Mais je voudrais revenir un petit peu sur l'erreur d'échantillon que j'ai faite parce que du coup je me dis qu'il y a quand même des choses à apprendre. Souvenez-vous, je me suis plantée, j'ai écrit 6 mailles par 9,5 rangs au lieu de 6,5 mailles par 9,5 rangs. Eh bien, on va quand même regarder ce que ça donne comme différence quand on utilise une aussi grosse laine. Parce que s'il y a quelque chose à retenir, c'est que lorsqu'on tricote avec une grosse laine, on va beaucoup plus vite. Mais vraiment, c'est sans commune mesure. Mais par contre, on a beaucoup moins de marge de manœuvre. Et une petite erreur d'échantillon d'une demi-maille peut avoir quand même des conséquences. Je m'explique. Pour 33 cm par 6 mailles,
Je me suis retrouvée avec 19,8, donc 20 mailles. Si ça avait été 6,5, 3,3 fois 6,5, 21,45, j'aurais fait 22 mailles. Donc j'aurais une différence de 2 mailles. Combien mesure une maille? S'il me faut 6 mailles pour faire 10 cm, je vais faire 10 divisé par 6. Ça veut dire que chaque maille fait 1,66 cm. N'oubliez pas, j'ai 2 mailles de différence, fois 2. Ça me fait 3 cm de différence sur la largeur. Donc, quand vous tricotez avec un fil très épais et des grosses aiguilles, ou bien lorsque vous tricotez avec 2 ou 3 fils à la fois, ça revient exactement au même, faites bien attention qu'une demi-maille de plus ou de moins dans l'échantillon, ça vient quand même changer pas mal de choses. Voilà, alors je suis quand même restée sur mes 22 rangs. Tiens, d'ailleurs, j'ai oublié de marquer, il est où mon crayon? J'ai oublié de marquer les 4 derniers, voilà. Ce qui fait que mon ouvrage est légèrement plus petit que prévu. Donc c'est plutôt du 3 ans et demi côté largeur, mais un petit peu plus grand côté hauteur. Bon, ben, écoute, c'est comme ça, c'est pas très grave. Voilà, l'essentiel c'est que vous ayez compris cette histoire de fil épais et d'échantillon, c'est quand même important. On va maintenant venir calculer, vérifier sur le haut de l'ouvrage ce qu'on a à faire. Parce que sur ces 13 cm que j'ai ici, j'ai quand même 3 choses à faire. J'ai les manches à venir rajouter, hein, monter des mailles pour faire les manches. J'ai à tricoter évidemment la hauteur de manche et j'ai une encolure à réaliser aussi. Donc il faut d'abord qu'on calcule le détail de tout ça et ensuite seulement on pourra se lancer. Nous voilà donc sur le haut de l'ouvrage et j'ai 3 choses à faire. J'ai 12 rangs en ce qui me concerne, je pense que vous en avez plus parce que certainement votre laine est plus fine, mais j'ai 12 rangs pour réaliser ces 3 choses. Emmanchure, jersey, encolure. Alors pour tout le monde, il faut savoir que pour venir faire les manches ici, il faudra 2 rangs. Et ça c'est pour tout le monde. 2 ici. Ma profondeur d'encolure à moi, elle fait 2 rangs. Donc je note 2. Alors vous, c'est peut-être 4, c'est peut-être 6, c'est peut-être 8. Vous mettez ici le nombre de rangs que vous avez trouvé là. Si j'avais 12 rangs au départ, que j'en utilise 2 pour faire les emmanchures et 2 pour la profondeur d'encolure, il me reste 12 moins 4, 8 rangs de jersey à faire. Donc vous faites ces calculs-là. Donc voilà ce que ça va donner. Sur 2 rangs, je vais venir monter mes manches, 4 mailles d'un côté, 4 mailles de l'autre. Je vais tricoter 8 rangs de jersey. Et sur les, en ce qui me concerne, 2 rangs suivants, là vous c'est peut-être, même le 8 d'ailleurs, c'est peut-être plus pour vous, je vais venir tricoter séparément les deux côtés puisqu'il va falloir que je rabatte des mailles au milieu. Pour les 2 rangs pour tout le monde d'emmanchure, je vais devoir rajouter 4 mailles au début d'un côté et 4 mailles de l'autre côté. Donc voilà comment ça va se passer. Sur le premier rang, je vais monter en début de rang 4 mailles. Je vais terminer de tricoter mon rang. Et sur le retour, sur le rang suivant, je vais monter 4 mailles et je vais terminer mon rang. Alors je vais monter les mailles de deux façons. La première qui est la plus simple et que vous pouvez adopter parce que vous ne vous sentez pas de tenter la deuxième. Alors la première, pour rajouter 4 mailles, j'entoure autour de mon doigt. Je glisse, j'ai rajouté une maille, 2 mailles, 3 mailles et 4 mailles. Alors pourquoi j'aime pas trop cette méthode? Parce que là ça se voit pas trop parce que mon fil est extrêmement épais et assez serré, mais en fait ici je trouve que ça fait pas une jolie finition et pour venir faire la couture c'est pas forcément très simple. Donc je vous montre quand même cette méthode et ensuite maintenant que j'ai rajouté mes 4 mailles, je viens tout simplement les tricoter et je termine mon rang. Donc je vous montre ce que ça donne. Vous voyez, il y a un espace qui se crée entre les mailles que j'ai montées et j'aime pas du tout ça. Cet espace a tendance à, en plus à s'agrandir. Voilà, de plus en plus. Et alors moi ça, moi c'est pas possible. Et après, là je suis sur le gilet lui-même, donc évidemment cet effet secondaire va s'estomper. Voilà, et donc je suis supposé, comme ça, continuer le rang jusqu'au bout. Alors je vais défaire, tiens ben je vous montre, pour défaire une maille qu'on vient de tricoter, on vient piquer dans la boucle qui est juste en dessous. Voilà. Et celle-là, je les enlève comme ça, puisque je venais de les monter. Alors j'ai trouvé dernièrement, mais je vais vous mettre le lien hein, de cette chaîne YouTube, je crois que c'est Spirou et Bobine que ça s'appelle, cette chaîne YouTube, où on va pouvoir rajouter des mailles, monter des mailles en début de rang, mais en les tricotant. Donc ça, la tenue sera bien meilleure. Vous verrez que la finition sera bien meilleure. Ok, allez, je prends ma première maille et je la tricote à l'endroit. Je ressors.
Ici, je vais agrandir ma boucle en tirant sur cette aiguille. Et avec celle-là, je vais venir la remettre. Donc attention, je prends bien de ce côté-là et je la remets. Voilà. Je vous le refais. Je tricote ma maille à l'endroit. Je sors mon aiguille, j'agrandis la boucle. Et avec mon aiguille, je ne sais plus, gauche, je viens saisir le brin. Mais vous voyez, je ne le saisis pas comme ça. Je le saisis comme ça. Voilà, j'ai monté une maille. Je continue. Cette maille que je viens de monter, je vais en tricoter une dedans. Je tricote ma maille à l'endroit. J'agrandis la boucle et je viens saisir deux mailles. Je recommence. J'agrandis la boucle. C'est cette façon de saisir la maille qui est importante. Trois mailles. Je resserre un petit peu. Et enfin la dernière. J'agrandis la boucle. Je peux l'agrandir tant que je veux. Puisque après, je vais resserrer. Voilà, j'ai monté 4 mailles et dessous, c'est quand même nettement plus serré. Ce qui fait que maintenant, je vais tricoter mon rang jusqu'au bout. Même si vous avez monté les mailles de manière différente, il faut maintenant tricoter son rang jusqu'au bout. Et vous voyez, il y a beaucoup plus de tenue. Je n'ai pas cet espace intersidéral entre mes deux mailles que je n'aimais pas du tout. Et qui allait bien me poser des problèmes pour la couture. Voilà, donc je tricote tout à l'endroit. C'est vrai qu'elles sont un peu bizarres ces mailles, mais il ne faut pas s'inquiéter. Et je continue à tricoter tout à l'endroit jusqu'à ce que j'ai terminé mon rang. Voilà, je termine mon rang 1 dans manchure. Je tourne et je vais venir monter 4 mailles ici aussi en début de rang. Donc là aussi deux façons de monter les mailles. Ceux qui préfèrent la simplicité, enfin la simplicité c'est pas une moquerie, hein. Je suis pas en train de dévaloriser votre travail. Mais quand on est réellement débutant, parfois on n'a pas envie de cumuler les difficultés, c'est tout à fait compréhensible. Donc j'entoure autour de mon doigt et je monte 4 mailles. Enfin 4, vous c'est peut-être 6, c'est peut-être 8, je ne sais pas. Et ensuite je viens les tricoter. Comme je suis sur mon rang 2, c'est un rang retour, évidemment, j'oublie pas de les tricoter à l'envers. Donc là j'essaierai un peu plus pour voir si ça améliorait les choses, mais que dalle. Et donc vous finissez votre rang comme ça. Vous arriverez quand même à faire la couture, hein, pas de panique. C'est juste que moi, cette finition-là, je l'aime pas. Voilà, et vous termineriez votre rang jusqu'au bout, tout à l'envers. Donc je défais. Et maintenant, on va monter les mailles en tricotant une maille dans une maille. Donc je suis sur une maille envers, je pique comme ceci, mon fil est devant, j'entoure, je ressors, je tire la boucle et je remets sur l'aiguille de gauche. Je recommence, je la pique à l'envers. Je la ressors, je tiens la boucle, hop là, bien par la toile, et je la mets sur l'aiguille de gauche. J'ai plus assez de fil là, si c'est bon. Il faut être à l'aise pour travailler. Je pique, je ressors, je tire la boucle, et je la passe sur l'aiguille de gauche. J'en suis à 3. Et je recommence. Hop, j'allais la faire tomber, l'habitude. Voilà, j'ai monté 4 mailles et donc je vais tricoter tout mon rang, toute maille à l'envers et j'aurai fini l'emmanchure. Donc là aussi, les mailles que je viens de monter sont un petit peu bizarres, elles ne sont pas tenues de la même façon, c'est tout à fait normal. Je termine de tricoter mon rang numéro 2 d'emmanchure. Voilà. Alors là, vous pouvez, peut-être il aurait fallu le faire avant, je ne sais pas, mais parfois quand on monte les mailles, hop, on ne sait plus combien on en a monté. Si on en a monté 3, 4, enfin bon, bref, ben, il suffit de les compter. 28 mailles. Si j'ai 28 mailles ici, c'est qu'a priori tout va bien. Ben, sinon, il faut défaire de rang et recommencer. Bon, j'ai fait ça. Donc maintenant, je vais tricoter 8 rangs de jersey. Donc vous tricotez le nombre de rangs de jersey que vous avez calculé. Ok, donc j'ai tricoté mes 8 rangs de jersey tout droit. Maintenant, on va faire donc l'encolure, ce qu'on appelle l'encolure. Il va falloir que je tricote d'abord un côté, puis le deuxième. Tout ça parce qu'on va venir rabattre des mailles au milieu. Donc la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va poser des marqueurs. Je vais compter 11 mailles posées à marqueur. Donc 11 mailles depuis le début posées à marqueur. Et 11 mailles depuis la fin et posées à marqueur. Alors les marqueurs, ça se présente souvent comme ça.
C'est des marqueurs qu'on trouve dans le commerce. Sauf que moi, vu la taille des aiguilles, si j'essaye de le passer, ça ira pas. Donc, ce qu'on peut faire aussi, c'est tout simplement utiliser un fil de couleur contrastante. Donc là, j'en prépare un. Et voilà, un deuxième. Je compte 11 mailles, 2, 4, 6, 8, 10, 11. Et entre la 11e et la 12e, je viens glisser mon fil de couleur contrastante. Voilà. Donc il est libre, hein. Il n'est pas dans une maille, il est juste autour de l'aiguille. Et je fais un petit nœud. Peut-être. Moi, j'avais qu'à le prévoir plus court aussi, le fil. Voilà. Voilà mon premier marqueur. Le deuxième. À 11 mailles de la fin, 2, 4, 6, 8, 10, 11. Juste après la 11e maille, je mets le deuxième marqueur et je vérifie, j'ai bien 2, 4, 6, 6 mailles au milieu. Donc vous le faites en fonction de vos calculs, bien sûr. Et on va pouvoir attaquer. Si je m'en sors avec ce truc. Hop, voilà. Ok, donc. Ici, moi, j'ai que deux rangs à tricoter. Bon, c'est parce que ma laine est très grosse. Je pense que vous en avez 4, 6 ou 8, peut-être même 12 si votre laine est très fine. Ce qui va se passer, c'est que on va venir tricoter sur les premières mailles jusqu'au marqueur. Donc, on s'arrêtera ici. On dit que la fin de notre rang, c'est le marqueur. Autant de rangs que ce qu'on a écrit ici. Donc, moi, c'est 2, je vais tricoter 2 rangs. Si c'est 4, 6 ou 8, vous tricotez 6, 4, 6 ou 8 rangs. L'essentiel, c'est de bien s'arrêter au premier marqueur en début de rang. Ok, donc, je tricote les mailles jusqu'au marqueur. Donc toujours en jersey, hein, ça n'a pas changé. J'essaye d'aller vite, mais je suis à fond là. Hop. Il faut dire que j'ai pas une façon de tenir les aiguilles qui est très efficace, parce que je lâche l'aiguille chaque fois que je tricote. Évitez de tricoter comme moi. Vous voyez, j'arrive à la dernière maille avant le marqueur, je la tricote, je tourne mon ouvrage. Hop, et je tricote mon second rang. Ce qui fait que ces mailles qui sont là, elles sont en attente. C'est ce qu'on appelle mettre les mailles en attente. Et je tricote le rang suivant, toute maille à l'envers, puisque je suis sur du jersey. Donc moi, vu que j'ai que deux rangs à faire, eh bien je fais que deux rangs. Mais sinon, vous referiez cette opération jusqu'à atteindre le nombre de rangs que vous aviez calculé. Là, vous voyez un petit nœud. Alors, c'est pas de mon fait, c'est que au moment de la fabrication du fil à tricoter, soit que le fil était trop court, soit qu'il a lâché. Je pense qu'il était trop court parce que lâcher avec cette épaisseur, ça me semble difficile. Et donc, ils font comme ça des nœuds pour que la pelote fasse bien les 60 mètres annoncés au départ. Le gros inconvénient, c'est que du coup, on se retrouve. Alors là, j'ai du bol parce que le nœud est sur l'envers du travail, donc il ne se verra pas, mais parfois. C'est franchement pas commode, donc il m'arrive, moi, quand je vois qu'un nœud sera mal positionné, de couper le fil et de reprendre en début de rang. Et après, je camoufle les fils qui pendent, du coup, dans la couture. Sauf que là, comme c'est un gilet sans manches, il n'y aura pas de couture de ce côté, donc j'avais pas bien de solution. Donc vous voyez, si vous avez encore deux rangs à faire, et eh bien vous, simplement, vous faites encore deux rangs de plus, ou 4, ou 6, ou 8. Moi, je suis arrivée à la fin de ma profondeur d'encolure. Je vais donc maintenant rabattre toutes les mailles. Alors, pour rabattre une maille, il faut d'abord en tricoter deux. Alors, on ne serre pas trop, hein, on reste bien souple. On prend la première tricotée et on la passe par-dessus la dernière tricotée. Voilà. Et je vais rabattre les mailles jusqu'à mon marqueur. Sauf que vous allez voir qu'il va falloir que j'aille chercher une maille de l'autre côté. Je vous montre ça. Pas super facile hein, tricoter avec des aiguilles aussi grosses que ça. J'arrive, je suis pas loin de mon marqueur, je continue à rabattre. Voilà celle-ci. Ah ben non, je suis pas obligée d'aller prendre une maille de l'autre côté, mais moi je vous raconte n'importe quoi des fois. Et j'ai fini de rabattre, il me reste une maille. Donc déjà première chose, je sécurise celle-là, voilà, je l'ai mis bien au fond et ici, j'agrandis la boucle. Je passe ma main dedans et alors normalement, je suis supposée couper le fil. Ouais, il m'en reste plus beaucoup. Hein. Donc, il faut que je laisse du fil perdu pour faire la couture de l'épaule. Alors, il faut compter à peu près deux fois cette largeur-là, deux fois et demi même puisque ça va être au point arrière.
Donc une, deux, plus ce qu'il y a dans la boucle. Je vais couper le fil à peu près ici. Quoique non, je vais peut-être pas faire la couture. Ouais, depuis le début, je garde du fil perdu pour faire les coutures, mais ce fil est tellement épais que je ne sais pas si c'est bien judicieux de faire la couture avec ce fil-là. Ouais, bon, allez, on va dire que si. Mais je pense que ça va faire une sacrée surépaisseur. Je passe le fil que j'ai coupé dans ma dernière boucle. Et voilà. Donc vous voyez, j'ai terminé un côté. Donc vous, ça vous a pris certainement plus de rang que moi. Mais le principe, c'est ça. L'étape suivante, ça va être de rabattre les mailles de l'encolure. Alors j'enlève ce marqueur qui ne me sert plus à rien. Je prends un nouveau fil, je laisse un petit peu de fil perdu parce que je vais avoir besoin de le rentrer. Donc il faut toujours quelques centimètres de fil pour pouvoir le rentrer correctement. Et donc pour rabattre, vous savez qu'il faut d'abord tricoter deux mailles. Donc avec mon nouveau fil, je tricote une première maille, puis une deuxième. Attention, ne vous trompez pas de fil. Prenez bien le fil qui mène à la pelote. Une deuxième. Et ici, je rabats la première maille tricotée sur la deuxième. Et elle sera très lâche, cette maille. Pourquoi? Parce qu'elle correspond au fil perdu ici, et du coup, on peut l'agrandir autant qu'on veut. Alors, parfois, moi, ce que je fais, mais là, ça ne va pas être super commode, c'est que je fais un petit nœud avec le fil perdu et le fil qui mène à la pelote. Voilà. Histoire que ça ne s'agrandisse pas non plus à l'infini. J'en tricote une deuxième. Et je rabats. Alors c'est sur cette partie-là qu'il va falloir qu'on aille chercher une maille de l'autre côté du marqueur, vous allez voir. Je continue à rabattre. Donc je dois rabattre toutes les mailles qui étaient entre les deux marqueurs. Et là vous voyez, il me reste une maille et ça y est, je suis arrivée au marqueur. Eh bien je suis obligée d'aller chercher une maille de l'autre côté du marqueur pour rabattre la dernière ici. Voilà qui est fait. Donc là, j'ai rabattu mes mailles d'encolure. Ici, hop, je vais essayer de vous montrer ça comme il faut. Ici, vous notez que c'est un peu lâche. Alors avec ce fil-là, on viendra bien sûr faire un petit point de couture pour qu'il n'y ait pas ce bâillement ici. Bon, revenons à nos moutons. De ce côté, j'ai tricoté deux rangs sur ces mailles, sur les premières mailles. Donc là, il faut que je tricote deux rangs aussi sur mes 11 mailles, y compris celle-là. Il y en a une là et les 10 sont ici. Vous, c'est peut-être 4, c'est peut-être 6, c'est peut-être 8 comme d'habitude. Eh bien, je tricote mes deux rangs de jersey comme prévu, comme l'autre côté. C'est exactement la même chose. Et je rabattrai ensuite. Et on aura fini le dos. Je finis de tricoter mon deuxième rang. Maintenant, je rabats toutes mes mailles. Voilà, je rabats la dernière maille, je passe ma main dedans. Alors, comme ma pelote est quasiment finie, je ne vais pas couper le fil là tout de suite. Je vais simplement le passer dans la dernière maille, voilà. Et ensuite, tirer bien comme il faut. Allez, on regarde ça d'un petit peu plus loin. Ok, donc voilà, j'ai terminé. Alors, ici, c'est pas très flagrant parce que c'est un petit peu tiré, mais l'encolure, ça fait ça. Là, on va venir faire un petit point de couture pour rapprocher ces deux bords. Vous avez les manches et ici vous avez le bas du dos. Donc vous voyez un petit peu ces reliefs un petit peu bizarroïdes. Ça c'est parce que j'ai tricoté la laine plusieurs fois avant de faire cet ouvrage et immanquablement ça fait ces espèces d'irrégularités, mais tout devrait rentrer dans l'ordre avec un petit coup de vapeur. Vous avez noté ou peut-être pas que je ne vous ai pas fait faire de maille lisière, enfin je ne vous ai pas fait tricoter de manière particulière la maille lisière sur le bord, pour que ça fasse une jolie petite chaînette, bien que ce soit une manche. Quand on fait une couture, ça n'a aucun intérêt de faire une jolie bordure, ça sera dans la couture. Mais quand on ne fait pas de couture comme ici, ça peut avoir un intérêt. Alors c'est volontaire pour deux raisons. La première, c'est que le bord, de toute façon, il se tourne. Donc vu de l'extérieur, ça donne ça. Ce qui est tout à fait correct. La deuxième raison, c'est qu'il me semblait qu'il y avait suffisamment de difficultés dans ce tuto qui est un tuto débutant total, sans rajouter en plus une maille lisière en début de chaque rang, uniquement sur la partie des manches. Voilà, j'ai jugé que... J'ai fait une petite vidéo sur la maille lisière où je vous explique pourquoi je ne les tricote pas de manière particulière dans 90% des cas.
Ce qu'on va faire, ce fil perdu là, il va servir pour la couture du haut. Donc ce qu'on va faire nous, c'est qu'on va venir rapprocher ces deux bords en faisant un petit point de couture et on va camoufler le fil. Alors ce que vous ne savez pas, c'est que je viens de le faire et que ça ne me plaisait pas esthétiquement, donc je recommence. Pour vous dire que il va vraiment venir falloir rapprocher cet angle là ici, voilà, comme ça, pour que cette chaînette soit bien visible et qu'il y ait bien la cassure de l'angle. Alors moi, avec 6 cm de fil, forcément ça va être un peu compliqué, mais je vais tenter sous vos yeux ébahis. Alors déjà je vais essayer d'enfiler ce fil sur mon aiguille à laine. Alors je prends celle-ci parce que sinon je vais jamais y arriver. Ok. Et du coup, je vais rester sur l'endroit du travail pour bien voir ce que je vais faire. Donc, je vais saisir. Vous voyez, la chaînette, elle est là. Et elle s'arrête ici. Donc, c'est là que je vais venir saisir le fil. Je passe dessous. J'ai été obligée de tirer un peu parce qu'on n'y voit pas grand-chose. Là. Ok, donc voyons voir en le rapprochant un maximum ici. Ouais. Et là, il faut que j'arrive à trouver une maille de ce côté qui soit suffisamment solide pour supporter cette contrainte. Donc je pense que celle-ci, elle m'a l'air un petit peu serrée, elle a l'air pas trop mal. Je passe dedans. Ok, je vais réenfiler mon fil. Ouais, c'est ça. En fait, les fils épais, c'est super, ça va super vite. Mais alors, le moindre défaut se voit à 3 km. Et tout est quand même un petit peu plus compliqué, donc je vais repiquer à l'intérieur du devant vers l'arrière pour aller camoufler mon fil derrière. Alors, je vais piquer où? Il faudrait que je pique là où ce soit le plus efficace. Ici peut-être. Voilà. Avant de camoufler, je vérifie. C'est pas formidable, formidable hein, quand même. Notamment cet angle-là, il me plaît pas. Voilà. Ok. Bon. J'ai pas le choix, je crois. Vous, avec un fil plus fin, ça se verra moins tout ça. Je retourne. Et je viens glisser mon fil sous des petits ponts en descendant. Là, je vais les chercher comme ça parce que si je pique à moitié dedans, je vais galérer. Voilà, donc normalement, vous faites sous les petits ponts, vous remontez, vous faites un petit serpentin une fois en bas, une fois en haut, une fois en bas. Et ensuite seulement, vous sortez votre fil. Moi, j'ai vraiment pas assez de longueur de fil pour me permettre de faire ça, donc je fais juste ça. Bon, allez, on va relativiser, c'est derrière le cou, c'est quand même pas si grave que ça, mais c'est vrai que j'aime bien quand c'est bien fini. Voilà, et bien je crois que c'est pas trop mal, là il n'y aura rien d'autre à faire, tiens. Là où on a monté les mailles, je trouve que c'est un peu lâche, c'est le genre de choses qu'on pourra venir réparer quand on fait la couture invisible, donc ça devrait aller. C'est le moment hein, de chercher les petits défauts et de voir comment vous pourriez réparer. Ici je trouve que c'est un peu lâche. Ça vaudrait presque le coup qu'avec ce fil-là, je vienne faire un petit tour. Ah, vous n'y voyez plus rien. Un petit tour par ici. Bon, à voir. On va passer au devant. On va attaquer les devants. Donc déjà, on va vérifier qu'on voit bien où commence et où s'arrête un devant. Voilà. Et ce que vous n'avez pas manqué de remarquer, c'est que le devant est plus large que la moitié du dos. On aurait pu s'attendre à ce que le devant soit égal à la moitié du dos. Eh bien, regardez, ici, ça faisait le dos fait 33 cm de large en tout, alors que un des devants fait 17,5. 17,5, c'est plus que la moitié de 33, puisque la moitié de 33, c'est 16,5. Alors, les demi-devants, ils ont ça de particulier, c'est que très souvent, dans les catalogues, on vous indique comment faire le premier et le deuxième, on vous dit faites-le en sens inverse ou en vis-à-vis. Enfin, ce genre de truc qui est généralement absolument incompréhensible. Donc moi, ce que je vous propose, c'est de dessiner vos deux demi-devants tels qu'ils seront. Alors, évidemment, je dessine toujours aussi bien, hein, c'est un vrai bonheur. Hop. En plus, je suis installée à merveille. Voilà un premier demi-devant. Je vais reculer un peu et je vais faire le deuxième. Voilà, donc en sens inverse ou en vis-à-vis, c'est ça que ça veut dire. C'est qu'on inverse. Là, par exemple, on va rajouter des mailles en début de rang sur l'aller, alors qu'ici, ça sera en début de rang sur le retour. Enfin bref, le mieux, c'est de le dessiner. Il y en a un qu'on va appeler demi-devant 1 et l'autre 2. Et on va se faire les deux ensemble, comme ça, personne n'aura de doute.
Maintenant, je reporte les dimensions, donc d'ici à ici. Celle-ci, 24,5, la hauteur. 13, la hauteur en dessous. Alors 26, mais vous savez que moi, je fais une petite bordure de point mousse de 3, donc 26 moins 3, 23 cm. C'est exactement la même chose qu'au dos. Hein. Et la largeur 17,5. Je vais reporter ces dimensions. Allez, je note mon échantillon. Donc, ça y est, je l'ai déjà oublié. Putain, cette mémoire de poisson, c'est pas possible, quoi. 6 fois 9,5. Hein. Vous vous souvenez que je m'étais plantée, mais je reste sur le même type d'échantillon. Alors là, je vais vous donner un petit conseil. Je vais vous conseiller de reprendre pour toutes ces dimensions-là exactement ce que vous avez pour le dos. Pourquoi ? Parce que quand vous avez calculé pour le dos, vous avez peut-être fait des arrondis. Vous avez arrondi. Sauf que, est-ce que vous avez arrondi au plus haut, enfin au plus grand ou au plus petit? Et il ne faut pas qu'il y ait de différence entre le dos et le devant. Ces dimensions-là sont exactement les mêmes que pour le dos. Il n'y a que celles-ci qui sont spécifiques au devant. Donc je vais calculer celle du devant, là, et toutes celles-là, je vais aller récupérer ce que j'avais noté sur le dos dans la première partie du 15 fois 6. 10,5, je vais arrondir à 10, j'aurais pu faire 11 et avoir un chiffre impair ici. Je vais vous dire pourquoi. C'est parce que je suis vraiment ric-rac au niveau de la laine, mais vraiment, vraiment. Donc j'arrondis au plus petit, ici, 2,45 fois 6, 14,7. Je vais rester sur 14. Et tout le reste, je vais aller le chercher sur mon dessin du dos. Ok, donc c'est fait ici, 12 cm de hauteur. Vous savez qu'en réalité, on va devoir comment dire, faire des étapes, notamment l'étape de l'emmanchure. Alors, on n'aura pas d'étape d'encolure, mais il y aura deux rangs qui seront consacrés ici à l'emmanchure. 12 moins 2, il nous restera 10 rangs de jersey tout droit. Pour ce qui est du reste, rien de particulier. Donc ici, 12, j'ai d'abord deux rangs qui sont consacrés à ça, et ensuite 10 rangs au jersey. Voilà, c'est bon. Donc moi, je suis toujours en aiguille 12, évidemment. Point mousse ici, jersey ici. Alors, avant de monter les mailles, il y a la petite question du fil perdu. Vous savez que j'ai l'habitude de laisser du fil perdu à la fois pour monter les mailles, mais aussi pour faire les coutures sur le côté. Et il y a un moment où on garde trop de fil perdu, c'est-à-dire qu'on en laisse partout, ce qui fait qu'on a des fils en trop pour faire les coutures, et total, ça ne va pas. Donc première chose, moi, je ne vais pas en garder de fil perdu, parce que je vous le disais, je suis ric-rac au niveau de la longueur de mon fil à tricoter, mais on va faire comme si je devais en laisser. Alors, voilà comment ça va se présenter. Hop, cet endroit-là, je vais monter les mailles, et quand je serai prête à tricoter, j'aurai mon fil perdu qui sera de ce côté. J'ai pris mon dos. Ça, c'est l'endroit du dos, et je l'ai mis tel que je devrais faire la couture, c'est-à-dire qu'il sera comme ça, et le devant sera ici. Je vais donc avoir un fil perdu ici. Comme là, j'en ai pas, ici, sur le devant numéro 1, je le matérialise comme ça, ça vaut le coup de laisser du fil perdu. Par contre, ici, même punition, je monte mes mailles, et quand je suis prête à tricoter, je vais avoir un fil perdu ici. D'accord ? De ce côté, j'utiliserai ce fil perdu-là pour faire la couture de ce côté-là par rapport au dos. Et ici, regardez, c'est le devant. Donc, je n'ai pas besoin de garder de fil perdu pour faire la couture puisque la couture est à l'opposé et que j'ai déjà ce qu'il faut. Et en plus, là, on n'a pas de couture du tout. Alors, sauf si vous vouliez faire, par exemple, une bande de boutonnage et venir la coudre derrière. Mais ici, pour le cas qui nous intéresse, on n'en a pas. Donc là, pas de fil perdu, c'est-à-dire pas plus de 10 ou 12 cm, simplement pour venir le camoufler aisément. Donc normalement, je laisserai 17,5 x 3, 1, 2, 3, plus 26 x 2, d'accord? Sauf que moi, j'ai décidé de ne pas laisser de fil perdu, pas plus que ça, donc voilà, je m'arrête ici. Et je monte mes 10 mailles. Alors 10 mailles, et ben moi, j'ai juste deux rangs de point mousse à faire, hein. Deux rangs de point mousse à faire. Oh ben là, je vais le faire d'un coup. Hein. Deux rangs de point mousse et derrière, 22 rangs de jersey. La seule chose à laquelle il faudra que vous pensiez, c'est que si vous faites votre petite bordure du bas avec des aiguilles légèrement plus petites que le reste de l'ouvrage, ce qui est très fréquent, n'oubliez pas, après votre petite bordure, de changer
D'abord votre première aiguille, puis votre deuxième pour tricoter le reste de l'ouvrage. Et si vous vous en apercevez au bout de 2-3 rangs, c'est pas grave. Si vous vous en apercevez au bout de 10 rangs, défaites tout et recommencez. Parce qu'en tricotant avec une aiguille d'une taille, une aiguille de l'autre, l'air de rien, vous changez votre échantillon. Et même si vous faites autant de rangs sur le demi-devant que sur le dos, vous aurez une différence de hauteur. Et au moment de la couture, ça peut se rattraper. J'ai mis en ligne une vidéo qui s'appelle « La couture invisible » où je vous montre comment rattraper des fois des petits décalages de hauteur, mais on ne peut pas non plus rattraper 5 cm. Voilà, donc là je termine mes deux rangs de points mousse. Et je vais attaquer directement. C'est chouette hein, les fils épais. Hein. T'as vu ça un peu comme ça va vite? Je vais attaquer directement mes 22 rangs de jersey. Et puis on se retrouve pour la manchure. Ok, je termine mon 22e rang de jersey. Voilà. Donc je le note. Ok. Alors parfois on est un petit peu perdu quand on fait un côté d'un gilet et puis l'autre côté parce qu'on ne sait pas si on va augmenter en début de rang en droit ou en début de rang en vert. Mettez-vous comme ça, prête à tricoter. Si vous vous mettez face à votre patron, vous voyez que les mailles qu'on va rajouter sont ici. Donc elles sont en début de rang en droit, c'est-à-dire sur l'allée du travail, autrement dit un rang impair. Si je me mets de l'autre côté, je suis prête à tricoter. Et je vois, pardon, que les mailles que je vais rajouter sont ici. Je ne peux pas rajouter, enfin, je ne peux pas rajouter ici, en fait, je peux, mais on va dire que d'une manière générale, je ne peux pas rajouter des mailles à la fin d'un rang. Ça veut dire que je les rajouterai au début du rang pair, au début du rang suivant, c'est-à-dire sur le retour. Autrement dit, quand je serai sur l'envers du travail. Donc ça, voilà, c'est juste une façon de vous repérer. Là, vous savez que les mailles qu'on va rajouter sont en début de rang. En ce qui me concerne, je dois en rajouter 4. Donc moi, je vais le faire avec la méthode que j'ai trouvée sur Spirou et Bobine, ou Bobine et Spirou, je vous ai mis le lien tout à l'heure. Et donc, je vais rajouter mes mailles comme ça. Attends, on va reprendre le plan, qu'on sache un peu quand même où on campe. Hop là. J'ai 12 rangs en tout à faire, mais je vais en utiliser 2 pour rajouter mes mailles. Donc après, j'aurai plus que 10 rangs de jersey à faire. Il est lourd ce cahier. Allez, je tricote ma première maille, je sors et pour la remettre sur l'aiguille de gauche, je viens la prendre comme ceci. Une maille de rajouter. Je tricote ma maille, je la sors, je l'étire. Deux mailles. Tricote donc mes deux rangs de jersey, un aller et un retour qui correspondent à ce dont j'ai besoin pour faire la manchure. Je finis de tricoter mes deux rangs d'emmanchure et je vais maintenant tricoter les 10 rangs de jersey qu'il me reste à faire avant de rabattre. On se revoit au moment où on rabat pour voir un petit peu si là aussi il nous faut laisser du fil perdu pour la couture de l'épaule ou si ça risque de faire un doublon par rapport au dos où on a déjà laissé du fil perdu. Je termine mon 10e rang après la manchure, je vais y arriver. Et alors avant de rabattre, ce qu'on va faire, c'est venir mettre un petit marqueur parce qu'il se trouve que sur les devants, on va pas coudre la totalité de la largeur ici. Voilà, donc il y a une partie du demi-devant, donc là c'est côté manche et là c'est le côté où il y aurait normalement des boutonnières. Cette partie-là ne va pas être cousue sur le dos. Pourquoi? Parce que sur le dos, il y a une encolure. Donc, on ne va pas venir faire une couture là où on ne peut pas faire de couture. Donc, on va venir mettre un marqueur. Là, j'ai 11 mailles sur le dos. Eh bien, je ferai la couture sur 11 mailles aussi. Je vais donc poser un marqueur dans la 12e maille. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et quand je ferai la couture au point arrière de cette partie sur le dos, je m'arrêterai juste avant le marqueur. Voilà, donc maintenant je peux rabattre. L'autre chose qu'on va voir quand j'aurai rabattu, c'est est-ce qu'on laisse du fil perdu à la fin ou est-ce qu'on en a déjà assez pour cette fameuse couture. Donc je commence à rabattre sans trop tirer sur mon fil. Je finis de rabattre et vous voyez là où il y a mon marqueur, ça pose pas de problème, il va rester en place. Donc moi mon marqueur il est à la 11e maille, non à la 12e maille, pardon, en partant de la manche. Évidemment, vous, je sais pas quelle
quel numéro de maille c'est, puisque a priori il y a peu de chances que vous ayez le même échantillon que le mien, donc vous avez calculé sur quelle maille vous venez poser ce marqueur. Voilà, j'ai fini de rabattre, je sécurise en passant ma main. Et donc je vais venir positionner ce devant sur le dos pour voir si j'ai besoin de garder du fil perdu. Voilà, j'ai positionné le dos tel qu'il devrait être porté à la fin. Je viens positionner mon devant ici, ma couture au point arrière se fera là et je m'arrêterai au marqueur. Et j'ai déjà sur le dos du fil perdu. Donc ici je vais garder juste le nombre de centimètres nécessaires pour pouvoir venir rentrer le fil aisément sans trop m'embêter. Donc selon si vous êtes à l'aise ou pas, ça sera 10, 15, 20 cm. Voilà, bon ben là c'est bon. On va regarder un petit peu hop, ce que ça donne. Donc évidemment là ça roulotte. Et c'est d'autant plus dommageable pour moi que comme ma laine est épaisse, du coup, dès que ça roulotte un peu, ça fait des centimètres en moins. Mais en gros, voilà, ça donne ça. Ici. Et puis autre chose aussi, c'est que mon demi-devant, il est égal à la moitié du dos, alors que normalement, vous, il est légèrement plus large. Moi, j'avais un problème de quantité de laine au départ que j'espère vous n'avez pas. Bon, et bien, on va passer maintenant au deuxième demi-devant, qui va se tricoter quasiment pareil, hein, à part évidemment que la manche n'est pas du même côté. Je commence par monter 10 mailles que je vais tricoter au point mousse pendant 2 rangs. Je ne laisse pas plus de fil perdu que nécessaire pour venir le camoufler. Et ensuite, je fais 22 rangs de jersey. Si vous utilisez des aiguilles plus petites pour votre bande en bas, si toutefois vous en faites une, n'oubliez pas de changer de taille d'aiguille quand vous passez au jersey. Je termine mon 22e rang de jersey. Voilà. Je note. OK. Donc là, on est ici, prêt à tricoter. Les augmentations se font ici. Je vais d'abord tricoter le rang jusqu'au bout, tourner mon ouvrage, rajouter mes 4 mailles et faire mon rang envers. Je tricote donc mon premier rang d'emmanchure, puisque ça se fait, vous vous rappelez, sur 2 rangs. Je termine de tricoter le rang 1 d'emmanchure. Donc là, vous avez bien sûr la possibilité de monter, de rajouter vos mailles comme ça. Moi, je préfère les tricoter. Rajouter des mailles en tricotant. Une. Vous ne le voyez pas, mais je fais des grimaces en fait. Et 4. Ok. Allez, prête à tricoter. Mon retour, toutes mailles à l'envers pour finir ces 2 rangs d'emmanchure. Ouais, pas facile. Faut dire que je serre un peu parce que comme j'ai peur de ne pas avoir assez de fil, j'ai tendance, et je ne devrais pas, mais j'ai tendance à serrer un peu. Et je ne devrais pas parce qu'il vaut mieux, d'une manière générale, garder toujours la même tension de fil du début à la fin de l'ouvrage. Sinon, naturellement, ça modifie, bon, bien sûr, ça modifie la quantité de laine que vous utilisez, mais ça modifie surtout les dimensions. Et on ne sait pas enquiquiner à compter un échantillon et à tout recalculer pour après tout foutre en l'air en venant tricoter plus serré ou plus lâche sur une des parties de l'ouvrage. Voilà, ok, c'est fait. Allez, donc sur 12 rangs, j'en ai déjà fait 2 pour la manchure. Il me reste 10 rangs de jersey à faire sur mes 14 mailles. Je termine mon 10e rang après l'emmanchure. Voilà. Et donc là, pareil, pour la couture au point arrière, on viendra coudre que cette partie-là. Et la partie qui correspond à la demi-encolure ne sera pas cousue. Donc même punition que pour l'autre devant, on va mettre un marqueur. Donc la manche, enfin l'épaule pardon, du dos fait 11 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Je pose mon petit marqueur sur la 12e maille en partant de la fin du rang, en partant de la fin de la manche. Voilà, maintenant je peux rabattre et puis on va vérifier aussi s'il faut qu'on laisse du fil perdu. Je termine de rabattre. Voilà. Je sécurise. Donc mon marqueur est bien resté en place, c'est cette partie-là que je ne coudrai pas. Et là, je vais juste vérifier si je dois laisser plus de fil que ce qu'il faut pour camoufler. J'ai positionné mon dos, voilà l'encolure, je viens poser mon devant dessus.
J'ai déjà un fil perdu pour faire la couture ici, donc là, je ne vais laisser que le strict nécessaire. Et voilà. Bon, mais du coup, on va pouvoir attaquer la couture au point arrière. Donc, je vous montre juste un petit peu ce qui va se passer. Sachez que j'ai mis en ligne une vidéo complète sur la couture au point arrière. Là, je vais vous montrer le principal, de quoi bien vous en sortir quand même. Alors, la couture au point arrière va se faire sur l'épaule. On va coudre les devants avec le dos. Bon, là, ça roulotte un peu, mais en gros, c'est ça. Sauf que quand on fait la couture au point arrière, on met endroit contre endroit. Donc, je vais enlever ce côté-là, puisqu'on va commencer par coudre celui-ci. Et je vous montre ce qu'est endroit contre endroit. Là, vous êtes envers contre envers. Endroit contre endroit, c'est tout simplement de faire basculer comme ça. Et cette fois-ci, vous avez l'endroit contre l'endroit, la manche contre la manche. Voilà. Donc l'objectif, ça va être de faire une couture au point arrière sur toute l'épaule et de s'arrêter juste avant le petit marqueur qu'on a mis, puisque la totalité du devant n'est pas cousue sur les épaules. Alors pour la couture arrière, vous avez donc, je vous le disais, une vidéo, mais il y a quand même deux, trois petites choses que je veux vous montrer, de sorte que vous soyez bien préparés pour la faire. On va regarder la tranche du devant et la tranche du dos. Sur la tranche, vous avez, comme d'habitude, là où vous avez rabattu, vous avez des petits V qui se succèdent. Chaque petit V est constitué de deux brins, un brin qui est vers moi et un brin qui est vers l'extérieur. D'accord? Coudre au point arrière, c'est venir passer une aiguille à coudre sous ces brins ou sous un de ces brins. En fonction que vous prenez un ou deux brins, l'intérieur ou l'extérieur, vous verrez que l'effet esthétique n'est pas le même. En tout cas, voilà, l'objectif, c'est de glisser une aiguille à coudre là-dessous. Du coup, on regarde la tranche du dos, là où on a rabattu, et on a les mêmes V, si ce n'est évidemment qu'ils ne sont pas tout à fait dans le même sens. Et on a aussi deux brins, un qui est vers moi et un qui est vers l'intérieur de l'ouvrage. Donc, coudre au point arrière avec ce fil perdu, ça va être, l'objectif va être d'avancer de 2 V et de reculer de 1. C'est pour ça qu'on appelle ça une couture au point arrière. J'avance de 2, je recule de 1. J'avance de 2, je recule de 1, j'avance de 2, je recule de 1, etc. etc. J'ai l'habitude, moi, de ne pas prendre tous les brins. Je ne prends pas les 4 brins quand je passe mon aiguille à coudre, j'en prends que 3. Je prends généralement, là je prendrai les 2 du devant et un seul du dos, je prendrai celui qui est vers moi. Donc ça donne ça, un ici et deux là. Voilà. Après, vous êtes libre de prendre les 4 ou de prendre que les 2 intérieurs. Ou que les deux extérieurs, c'est vous qui voyez. Alors, vu la grosseur de mon fil, moi je suis obligée de prendre une aiguille à laine avec un chat énorme et en plus souple. Mais d'une manière générale, vous utiliserez sans doute une aiguille à laine, c'est-à-dire une aiguille qui a un chat un peu large et un bout qui n'est pas pointu, qui ne pique pas. Si ce n'est pas le cas, que vous avez une aiguille à coudre avec un chat un petit peu large mais pas suffisant pour votre fil, vous pouvez acheter ce qu'on appelle, enfin moi j'appelle ça des enfil-aiguilles, mais je ne peux pas vous garantir que ça s'appelle comme ça, il y a une petite partie métallique ici. Vous passez, ben là j'y vois rien, je vais peut-être, voilà. Vous passez la partie métallique dans le chat, vous glissez votre fil, donc là je ne peux pas vous montrer parce qu'il n'est pas envisageable une seconde que mon fil rentre dans, enfin vous passez le, que mon fil rentre dans ce chat-là. Je vais finir ma phrase. Vous passez votre fil à tricoter dans la partie métallique et ensuite vous tirez et ça fait passer le fil à travers un chat qui a priori était trop petit. Moi, la question ne se pose pas, je vais être obligée d'utiliser une aiguille comme celle-ci. Et la première chose qu'on va faire, voilà, c'est de venir arrimer les deux morceaux ensemble, c'est-à-dire de venir rassembler cet angle avec cet angle. Donc je pars d'ici. Et je vais venir m'attacher, attacher le deuxième morceau au premier en passant dans l'angle. Voilà, je sens que ça va être un peu costaud là, la couture avec un fil aussi épais. Ok, on y est. Voici mes V de ce côté. Voilà un V et un autre. Donc je vais rentrer dans le 1, deuxième V. Je passe mon aiguille sous les deux brins. Et en face, je ne prends pas les deux brins, mais attends, en face c'est ici. Ah oui, ça, il faut essayer de pas trop se décaler, hein. Je ne prends pas les deux brins, mais un seul, celui qui est vers moi. Et je passe mon fil. Je ne tire pas complètement le fil. Et je vais maintenant passer dans un des deux brins vers moi et dans les deux brins juste derrière. Alors là, comme c'est le début, c'est un peu moins visible. Voilà, ça y est.
Et maintenant que j'ai passé mon fil, mon aiguille, je peux tirer celui-ci. Voilà, comme ça. Je tire, mais pas trop pour pas froncer. Ok, je sors de cette maille, je vais avancer de 2 mailles. Une, deux. Je passe l'aiguille sous les deux brins. Et en face, je passe l'aiguille sous un seul des deux brins. Je tire, mais pas complètement. Et là, je viens. Alors, c'est pas forcément. Voilà. Un brin, deux brins, trois brins. Et je tire un petit peu mon fil. Voilà. Et je continue comme ça à avancer de 2 pas et à reculer de 1 jusqu'à ce que j'arrive au marqueur du devant. Je m'arrête juste avant la maille, avant le marqueur de devant. Hop. Un, deux. Ici, 2 brins. En face, en ce qui me concerne, un seul. Ça va, ça se passe pas trop mal finalement. C'est moins raide que ce que je pensais. Allez, je continue ça. Et puis on se revoit quand j'arrive vers le marqueur. Voilà, donc là j'arrive quasiment au marqueur. Et ici je suis quasiment à l'angle. Donc je vais rentrer sous les 2 brins une dernière fois. Là je vais me mettre quand même le plus possible dans l'angle. Non, faut pas que je prenne les 2 brins, qu'est-ce que je fais? J'en prends qu'un, mais je passe dans l'angle. Voilà. Je reviens en arrière d'une maille, ce qui n'est pas forcément évident parce que j'ai dû faire un grand pas. Donc ici, c'est bon. Ok. Et là, je vais venir sécuriser un petit peu, c'est-à-dire passer une deuxième fois, au cas où il y a une tension qui s'exerce au niveau du col, de l'encolure, que ça fonctionne quand même. Donc je repasse comme ceci. Voilà. Je fais presque du surplace, hein, pas tout à fait. Ah, et voilà. Bon, on va regarder un petit peu ce que ça donne. Donc déjà, on va regarder de l'autre côté, ici. Voilà. Donc ce que je vous disais, en laissant un des brins, ça fait un petit liseré. Bon, moi, ma couture est particulièrement épaisse. Le fil est épais et je couds avec un fil épais aussi. Donc forcément, c'est un petit peu particulier. Mais voilà le petit liseré que ça fait quand on laisse un des 2 brins. Je reviens de ce côté, déjà parce qu'il va falloir que je camoufle le fil avec lequel je viens de coudre, que je camoufle celui-là. Et là, vous voyez, c'est l'endroit de l'encolure au niveau du dos et je trouve que c'est pas très joli. Ce fil me semble un peu court pour venir faire une petite réparation et venir camoufler. J'utiliserai plutôt celui-là. Donc celui-ci, je vais simplement venir le faire courir le long de la tranche, puisque j'ai déjà sécurisé dans l'angle. Donc là, je me contente de le faire courir de cette façon. Voilà. Et je coupe ce qui dépasse. Enfin, je vérifie si tout va bien. Ok. Et je coupe ce qui dépasse. Alors maintenant, celui-ci. Donc déjà, première chose, si je le regarde sur l'avant, je vais venir le faire passer donc sur l'arrière, je vais camoufler sur l'arrière en cachant un petit peu cet angle, le faire courir le long qui est libre ici, et je vais peut-être essayer de le passer une fois là, vous voyez, histoire que ce trou ne soit pas aussi flagrant. Mais attention, il faut quand même que je laisse l'encolure exacte. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais sur les schémas, l'encolure, ça fait un angle bien droit, là, tchac tchac. En fait, non, hein, dans la réalité, il n'y a pas d'angle droit de cette façon, ou difficilement. Donc c'est au moment où on vient coudre qu'on vérifie un petit peu si tout va bien, les tensions, les fils cachés, les fils à cacher, éventuellement les angles, quand il y a un trou comme ça, venir voir si on peut faire quelque chose, c'est le moment ou jamais. Donc je vais d'abord tourner mon travail, je serai plus à l'aise de ce côté. Donc l'objectif, c'est de faire courir ce fil le long. Et je voudrais en profiter pour que ça rentre un petit peu l'angle. Donc je tire un petit peu dessus. Et ensuite, vous voyez, je le fais courir juste en le passant dans la tranche côté intérieur. Voilà qui est fait. Maintenant, je vais accéder à l'endroit où il y a un petit trou. Alors je ne sais pas encore par où, sans doute par là. Voilà. Ok, ça a l'air d'aller.
Je viens combler ce petit trou en faisant juste un petit passage. Je vais venir passer ici, là. Alors vous, vous voyez par rapport à la configuration de votre tricot, comment vous pouvez, moi j'appelle ça du cache-misère. Il ne faut pas venir tirer ici, hein, pas trop, hein, un peu mais pas trop. Et je remonte juste à côté, jusqu'à la couture de l'épaule. Donc c'est là où je vais essayer de pas trop tirer. Voilà, je regarde de l'autre côté. Ouais, c'est mieux. Et ici, je vais camoufler mon fil. Alors, je vais. Ouh là là, dis donc, ça fait sacrée épaisseur quand même. Je le camoufle sur la tranche en le faisant un petit peu courir, si possible, à un autre endroit que là où j'ai fait courir l'autre. Décidément, il ne veut pas tenir en place ce fil. Faut dire qu'il est un peu court là maintenant. Avec une réparation en plus. Voilà, un petit peu de surplace, histoire de sécuriser le truc. Ouais, bon, il ne veut pas aller plus loin. Donc je vais couper. Non, enfin normalement, je le dis à chaque fois, je ne le fais jamais. Normalement, je vérifie si tout va bien avant de couper. Bon, alors, qu'est-ce que ça donne? Ok, ça va, l'angle n'est pas trop trop mal. Il devrait être un peu plus marqué, l'angle, vous voyez là. Il devrait être un petit peu plus droit, mais pour le coup, j'aurais bien du mal. Bon, là, cette couture, comme elle est très épaisse, peut-être venir un petit peu l'aplatir avec un fer à repasser avec de la vapeur. Pâte mouille, je passe dessus, j'aplatis un peu. Attention de ne pas abîmer le fil. Voilà, et bien du coup, on fait le deuxième côté exactement de la même façon que le premier. À ceci près qu'on va peut-être faire attention à la symétrie du liseré. Si vous avez laissé un liseré ici, il faudra laisser un liseré ici, mais du même côté. Je m'explique. Ce liseré-là, il est dû à un des deux brins du dos. Donc ce liseré-là, il faudra qu'il soit dû à un des deux brins du dos, c'est-à-dire celui-là. Donc veillez-y quand vous allez coudre le deuxième côté, de faire en sorte que vous utilisiez, que vous laissiez tranquille le même brin. C'est le brin qui est vers le côté en droit, le vers le côté envers. Le brin qui est vers le côté envers, pas facile. Donc c'est ce brin-là qu'il faudra prendre. Voilà, je vous laisse réfléchir un petit peu à tout ça. Quand vous aurez l'ouvrage sous les yeux, les choses vous sembleront sans doute beaucoup plus claires. C'est que ça fait de la masse, hein, tout ça. Ah si, quand même, est-ce qu'on regarde... Ah oui, et si, 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 j'ai quand même une petite bricole à vous dire. C'est que... Ah ben non, c'est bon, le fil perdu. Donc on se met bien face au repère. Cette fois-ci, on va commencer la couture juste avant le marqueur. Il y a trois mailles qui sont restées ici, 11 de ce côté. On vient coudre sur les 11 mailles qui mènent jusqu'au bout de la manche. Voilà, j'ai cousu le deuxième côté. Donc maintenant, je peux enlever mes marqueurs. Ils ne me servent plus à rien. Et du coup, on va passer à la couture des côtés, ici. Donc, couture invisible tout le long. Et au point arrière, donc là, vous reprendrez la couture au point arrière pour le dessous des manches, des deux côtés. Donc, pareil, il y a une vidéo sur la couture invisible que vous pouvez visualiser, enfin visionner avant, pendant, peu importe. Et je vous montrerai le principal. Sur le bord de votre ouvrage, vous avez une maille qu'on appelle la maille lisière puisque c'est la première et qui est légèrement retournée. Et juste après, vous avez la maille suivante. Entre les deux, si vous écartez un peu, vous verrez un petit barreau. De l'autre côté, c'est pareil, la maille lisière qui est légèrement retournée et entre la maille lisière et la maille précédente, vous avez aussi un petit barreau. Et bien, c'est sous ces barreaux qu'on va venir passer notre aiguille à coudre et notre fil. Si en bas vous avez fait une petite bordure au point mousse, au point de blé, vous allez pouvoir venir faire votre couture en saisissant soit pas tout à fait la première boucle qui est au bord, mais celle qui est juste avant, ici et ici. Soit pour les plus chanceux d'entre vous et qui arrivent à le voir, il y a aussi un petit barreau quelque part. Voilà. Donc c'est à vous de voir ce qui sera le plus simple. Tu vois là, le barreau, il est limite accessible. Donc première chose, je vais venir passer mon nouveau fil le long de cette maille lisière, sans gêner pour la couture après la maille lisière. Je vais le glisser ici pour pas avoir justement à le rentrer à la fin. Je vais donc le glisser juste au bord. Donc je me mets dans l'autre sens pour être plus à l'aise. Et je fais passer mon aiguille
vraiment, vraiment, vraiment au bord de la maille lisière. Et je vais jusqu'au bout. Alors ça signifie notamment qu'il ne faudra pas que je tire trop fort. Enfin, pas que je tire trop fort. Il faudra que je le tienne, ce fil, au moment où je viendrai justement tirer sur le gilet, sur la couture. Mais parce que sinon, il va s'enlever. Et là, je vais essayer de me mettre le plus possible dans l'angle pour pouvoir faire le raccord d'une pièce avec l'autre sans trop de difficulté. Voilà qui est fait. Ensuite, je me remets. Alors, c'est là qu'il faut se méfier. Ça y est, c'est le bins. Je sais plus où je campe. C'est là qu'il faut se méfier parce que c'est là qu'on fait des bêtises. Voilà. Que je trouve le bon bout qui va avec le bon bout. Donc lui, je le rentrerai à la fin. Et croyez-moi, ça va être compliqué parce qu'il est très court. Je suis ici dans l'angle. Je viens rassembler, arrimer les deux parties ensemble en passant dans l'angle en face. Et puis, je vais venir le chercher, ce fameux petit barreau ou cette petite boucle que je trouve juste après. Alors, sur le point mousse et le point de blé, vous verrez, la maille lisière est vraiment particulière. On a du mal à la voir. Est-ce que je vais venir chercher ce barreau-là? Non, j'en ai trouvé un ici. Donc je viens chercher le barreau et je tire. Je tire, mais vous voyez, je ne tire pas complètement. Parce que pour l'instant, ça n'est pas nécessaire. Je vais en face et je cherche mon petit barreau. Je tire, mais pas complètement non plus. Donc là, a priori, j'ai l'impression que je suis sortie du point mousse, mais je ne suis pas encore tout à fait rentrée dans le jersey. Donc pour trouver le petit barreau, ben, je vais être obligée de prendre cette boucle. Parce que là, entre les deux, j'ai rien du tout. Et en face, maille lisière, si ça y est. Voilà, un petit barreau de ce côté. Bon, j'ai fait 2 cm. Je tiens fermement et je vais venir tirer ici. Alors méfions-nous, n'oublions pas le fil que j'ai mis là. Donc je vais tirer, mais pas non plus. Je tire, voilà. C'est pas formidable, formidable. J'ai l'impression que mon angle n'est pas trop chouette. Bon, on verra. Allez, je suis sur du jersey, donc c'est beaucoup plus simple. Je vais chercher. Elle est où ma maille lisière? Punaise, je la vois même plus. Là, là, là. Je vais prendre ce barreau-là. Voilà. Ça y est, j'y suis. Un barreau d'un côté et un barreau de l'autre. Alors l'objectif, c'est de ne pas se décaler entre un côté et l'autre. Si vous allez plus vite d'un côté que de l'autre, ça ne va pas aller. Donc je prends bien le premier barreau. Le fil serait plus fin, j'en prendrais 2 à la fois. Mais là, pour le coup, j'ai pas bien le choix. Si je prends 2 barreaux à la fois, ça va vraiment faire trop, trop de tension, trop de tout. J'ai fait quelques centimètres. Je tiens fermement là où j'ai repris ma couture. Je tire. Voire même, je fronce un peu, je défronce. Voilà, là, c'est déjà nettement plus joli. Donc on voit que la couture est, comme son nom l'indique, invisible. Alors je continue comme ça, en saisissant un barreau d'un côté, un barreau de l'autre, jusqu'à l'angle de la manche. J'en profiterai pour réparer peut-être un petit peu ce petit trou là qu'il y a qui ne me plaît pas, qui est sûrement inhérent à la façon dont j'ai monté mes mailles pour les manches. C'est pas grave, on va se débrouiller. Et la partie sous les bras, je vais être obligée de retourner mon ouvrage, de faire passer le fil à l'intérieur et je vais le faire au point arrière. Là, on ne fait pas de couture invisible. On ne fait pas de couture invisible horizontale, on fait des coutures invisibles verticales. Quand c'est horizontal, en général, c'est au point arrière. Ok, donc j'approche du bas de ma manche. J'ai encore 2-3 passages de couture invisible à faire. Plus vous vous approcherez de l'emmanchure, plus ça sera difficile de voir exactement le barreau, où est-ce qu'il est. Voilà, et là, sans doute un dernier ici. Très bien. Je fais des grands mouvements là avec ce fil. Hop, je viens de tenir ici, je tire, voilà. Alors, on va regarder un petit peu le côté. Cette petite maille pas très jolie là. Je pense qu'en fait, simplement, au moment où je vais faire la couture de l'autre côté, la couture au point arrière, je la rentrerai vers l'intérieur, tout simplement. Je pense qu'il ne devrait pas y avoir trop de problèmes. Je regarde si je suis à peu près dans l'angle. Je devrais peut-être faire un petit point de plus ici. Non, même pas. Bon. Je passe le fil de l'autre côté. Hop. Je le serre un peu et je retourne mon ouvrage.
Alors, mon fil, il est ici. Donc là, je vais faire une couture au point arrière ici, qui sera nettement moins facile, notamment parce qu'on a un angle. Donc, on garde le principe d'avancer de 2 pas et de reculer de 1. Mais on ne peut pas vraiment se servir comme repère des petits V, parce que pour le coup, il n'y en a pas. Donc, hop. On va voir ce que ça donne. Tchac. Ici. J'aurais bien aimé, tu vois, ça me plaît pas, ça. Elle est bien cette façon de monter des mailles sur les bords, mais elle me pose un petit problème. Donc je vais venir attraper plutôt. Vous voyez, j'essaye de rentrer ce fil lâche vers l'intérieur et d'attraper plutôt ici. Et là, pareil. Bon, vous voyez sur votre ouvrage quelles sont les astuces qu'il faut que vous trouviez pour que tout ça ne soit pas trop vilain. On fera attention aux surépaisseurs sous. Ben là, de toute façon, on n'a pas vraiment de V. Hein. Je finis jamais mes phrases, il faut que j'arrête avec ça. Ici, on n'a pas de V, là, à peine. Oui, je disais, attention aux surépaisseurs que vous pourriez faire parce qu'on est sous le bras. Et trop serré ou faire trop de surépaisseur au niveau de la manchure, c'est-à-dire au niveau de l'aisselle, la naissance de la manchure, ça peut vite être pénible quand on le porte. Donc, veillez à ça. Là, je ne cherche pas à faire un petit liseré dessous. Hein. Cette partie me semble suffisamment complexe comme ça. Ça, en plus, se rajouter des petits défis supplémentaires. Bon, après, vous faites comme d'habitude, comme vous voulez. Je suis quasiment dans l'angle. J'ai envie de le retourner. Hein. Pour vous dire la vérité, j'ai un petit moment de... Ouh, j'ai fait un point énorme, là. Non. Je suis tellement pressée que j'ai fait un pas de géant. Ça va pas du tout. Hop. Non, un point moins gros quand même, pas exagéré, voilà. Oui, je suis assez impatiente de le retourner, de voir ce que ça donne. Parce que comme je vous le disais, avec un fil épais, tout prend des proportions de dingue. Le moindre défaut se voit à 3 km. Voilà, je reviens sur mes pas un petit peu. Et je ne vais pas camoufler mon fil, je vais d'abord retourner l'ouvrage pour vérifier ce que ça donne. Sous la manchure. Bon, attends, quand je le retourne, ben écoute, c'est pas trop mal. Hein? Évidemment, il va falloir vraiment que j'aplatisse un petit peu ces coutures qui sont extrêmement épaisses. Et puis j'étais en train de réaliser un truc, mais moi aussi je fais jamais comme on me dit de faire. Ce fil, sur la pelote, il est indiqué en aiguille taille 12, ce que j'ai fait. Mais le modèle, lui, est tricoté en aiguille taille 13. Ce qui donne normalement un point plus lâche et ce qui permet d'avoir plus de souplesse, on va dire. Donc là, j'ai bien tricoté avec les bonnes aiguilles par rapport à la pelote, mais pas par rapport au modèle. Bon, écoute, ça a l'air pas trop mal. Alors, ben, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on fait l'autre côté exactement de la même façon. Donc, couture invisible tout le bas et couture au point arrière sous les manches. Je fais ça. Peut-être que je vais lui donner un petit coup de vapeur pour l'assouplir un peu. Peut-être que le lavage l'assouplira. Et puis ben, on va faire un petit peu le bilan de cette aventure. Si juste à détail, le nouveau fil que j'ai mis, vous voyez, il en reste plus qu'un petit bout ici. Vous pouvez vous permettre de le couper, puisqu'il est passé le long et qu'il est déjà sécurisé. Et ensuite, il me reste ce petit machin là à essayer de rentrer. Donc je ferai du mieux que je peux. Sous la manche, j'ai camouflé le fil aussi. Enfin, vous faites comme on fait d'habitude pour rentrer les fils à la fin. J'ai toujours un truc à rajouter, moi. Il nous reste un fil perdu, vous vous souvenez, celui qui est au bord du gilet et dont je vous disais qu'il ne nous servirait pour aucune couture. Si vous avez le choix pour le camoufler, venez plutôt le rentrer, donc sur l'envers du travail, là, sur la bordure point mousse, parce que ça se verra moins. Moi, je vais le camoufler quand même sur le jersey pour vous montrer vite fait comment on fait. Mais selon le fil et les aiguilles et la façon dont vous tricotez, il y a quand même un petit risque, donc je suis passée sous 3 boucles. Ensuite, je redescends, je fais un petit serpentin, voilà, et je tire pas trop pour pas froncer. Bon là j'ai du bol, ça se voit pas de l'autre côté, mais c'est notamment parce que mon fil est très épais. Et je refais un petit passage, non, je refais pas un petit passage, mon fil c'est... Oh punaise. Donc le principe, c'est de venir passer sous les boucles et de faire un petit serpentin sur quelques centimètres seulement. Et de couper ce qui dépasse.
Voilà, on a du bol, ça se voit pas de l'autre côté, mais c'est pas toujours le cas sur le jersey. C'est plus avec des fils coton. Dès que les fils sont un peu brumeux, comme ça va. Ouh! On n'est pas mécontent d'en être arrivé là quand même. Allez, un petit coup de vapeur pour voir un peu ce que ça donne. Je vous mets la totalité des calculs d'un coup. Donc vous allez d'abord faire les calculs du nombre de mailles du dos, c'est-à-dire sans les détails, uniquement le pourtour. Ensuite, vous ferez les calculs pour un des devants, que vous multiplierez par deux puisqu'il y a deux devants. Vous additionnez le nombre de mailles, le nombre de mailles du dos, le nombre de mailles des deux devants. Et ensuite, vous pouvez calculer en fonction du nombre de mailles au mètre linéaire. Alors je commence d'abord par relever les dimensions qui m'intéressent en fonction de la taille que j'ai choisie. Donc par exemple ici c'est pour le 4 ans, le 6 ans, le 8 ans, le 10-12 et le 14-16. Moi j'ai décidé de tricoter du 4 ans. 33 cm de largeur en tout, 39 en hauteur, 26 ici, 13, 11, 47 cm, 24,5 et 17,5. Je crois que j'ai rien oublié. On va commencer par tricoter le dos, mais comme dans beaucoup de patrons, toutes les dimensions dos et devant sont incluses sur le même dessin. Vous avez même qu'un demi devant et pas le deuxième. Enfin, ça peut être un petit peu compliqué. Donc, je vous donne le pourtour du dos. Donc là, il y a bien une petite encolure dans le dos. Et sinon, voilà, c'est le pourtour extérieur en totalité. Hop, voilà, je fais des traits super droits. Donc le dos se tricote en une pièce et on n'oubliera pas cette petite encolure et vous n'avez pas manqué de remarquer qu'il n'y a pas la dimension de la profondeur d'encolure. Je vais vous la donner parce que je la déduis des explications qu'on trouve sur le site. Je reporte ensuite ces dimensions sur mon schéma. Donc en largeur tout en haut, j'ai 47 cm. En largeur en bas, j'ai 33 cm. L'encolure, pour moi, elle fait 11 cm. La hauteur totale, hop, jusqu'ici, c'est 39. Et comme je veux le détail, la hauteur de manche, c'est 13. Et la hauteur du bas du pull, c'est 26. À ceci près que moi, je vais faire une petite bande de quelques centimètres de point mousse. Donc je reprends la hauteur totale ici, c'est-à-dire 26 cm, mais je vais faire une petite bande ici de point mousse qui va faire 3 cm. Donc si j'ai 26 cm en tout et que je fais 3 cm de point mousse, il me reste 23 cm ici à faire en jersey. Alors pour ici, cette profondeur d'encolure, pour tout le monde, c'est 2 cm. Voilà. Cette petite dimension-là, là, ici, qui est la même de ce côté, bien sûr, 2 cm. Ok, ben je pense que je n'ai rien oublié. Donc voilà, vous avez fait votre schéma, vous mettez les dimensions qui correspondent à la taille que vous souhaitez tricoter. Je note mon échantillon. Donc moi, rappelez-vous, c'est 6 fois 9,5. Donc vous notez l'échantillon que vous avez compté tout à l'heure. Ça va nous permettre de recalculer toutes les dimensions. Alors, hop. On va commencer par le bas. Je vais réécrire mon échantillon en bas, comme ça on n'aura pas de doute. 6 fois 9,5. Ici, sur le nombre de mailles qu'il me faut monter pour tricoter 33 cm. Ah mais non, je suis bête, j'ai oublié un petit détail. On va diviser toutes les dimensions par 10. 33, ça fait que 3,3, 2,3, 2,6, 3,9. Alors 3, ça fait 0,3 puisque je divise par 10. 47, ça fait 4,7. 1,3, 1,1. 0,2, pareil de l'autre côté, 0,2. Et ça doit être bon. Du coup, maintenant, on peut effectivement calculer, transformer tous nos centimètres en mailles et en rang. Alors, pour 33 cm, donc 3,3, je vais prendre mon nombre de mailles pour 10 cm. 3,3 fois 6 est égal à 19,8. Donc je vais arrondir à 20 ici. Pour ma petite bande au point mousse, c'est pas la peine que je compte le nombre de rangs, je vais le mesurer. Pourquoi?
Parce qu'au point mousse, ce n'est pas le même échantillon qu'au jersey. Ce que je veux dire par là, c'est que si je fais 0,3 fois 9,5, je peux le faire. 0,3 fois 9,5, je vais trouver 2,85 rangs. Le fait est qu'au point mousse, il m'en faudra certainement plus parce que le point mousse monte moins vite. Donc là, je le mesurerai directement sur place. Vous pouvez faire cette bande au point mousse, en côte, en point de blé, en point de riz, il n'y a pas de souci. Je vais donc simplement compter le nombre de rangs qu'il me faut pour faire mes 23 cm. Donc je fais 2,3 et cette fois-ci je le multiplie par 9,5. 2,3 fois 9,5. Je trouve 21,85. Il faut que vous sachiez qu'en hauteur, c'est toujours, toujours un nombre pair. Donc j'arrondis à 22 rangs. Ici, pour cette largeur-là. Alors, on va avoir qu'une seule contrainte, c'est que si ici on a un nombre pair, ici on a un nombre pair, et si ici on a un nombre impair, ici on aura un nombre impair. Ça sera à vous d'arrondir en fonction. Moi, j'ai choisi d'avoir un nombre pair en bas, donc j'aurai un nombre pair en haut. Pourquoi? Parce qu'on va venir centrer, il faut centrer le bas pour savoir de combien de mailles on augmente de chaque côté. Et si ici on a un nombre impair, j'aurai pas le même nombre, enfin le même nombre de mailles de chaque côté. Enfin, c'est-à-dire que j'aurai une manche ou plus courte ou plus longue que l'autre, donc ça ne va pas coller. Donc, pair, pair. Je prends 4,7 et je le multiplie par 6. Je trouve 28,2. Et bien je vais arrondir. Alors je pourrais arrondir à 28, je pourrais arrondir à 30. Attention, ma laine est très grosse. Donc 2 mailles de plus, ça s'y connaît. Si vous avez une laine fine, honnêtement, il n'y a pas de souci. Je vais rester sur 28. Mon encolure, on est en haut. 1,1, elle fait 11 cm de large en ce qui me concerne. Donc je fais 1,1 fois 6. Et je trouve 6,6. Donc là, je vais rester. Alors là, c'est pareil. Il me faut un nombre pair aussi, puisque j'ai un nombre pair là, et que je vais de nouveau répartir ce qu'il reste des deux côtés. Et pour qu'il y ait le même nombre de mailles ici et ici, après que j'ai enlevé ça, il faut que ce soit pair. Pair, 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 ou impair, impair, impair. Voilà. Donc 6,6, c'est soit 6, soit 8. C'est un gilet, l'encolure n'a pas besoin d'être vraiment très large, donc je vais rester sur 6 mailles. Alors du coup, on va pouvoir calculer cette dimension-là qu'on ne nous a pas donnée, mais qu'on va déduire. Ici. Et donc la même chose de ce côté. Hop. Si j'ai 28 mailles en tout au départ et que j'en enlève 6 pour l'encolure, 28 moins 6, il me reste 22 mailles que je vais diviser en 2. Il y en aura 11 de ce côté et 11 de celui-là. 22 divisé par 2, 11 et 11. Donc j'aurai 11 mailles ici et 11 mailles ici. Voyons maintenant la hauteur des manches, 1,3, enfin 13 cm. 1,3 fois, je prends bien sûr le nombre de rangs, 9,5, ça me fait 12,35, donc je vais faire 12, puisque c'est forcément pair dans la hauteur. Alors il nous reste, ah oui, ben il nous reste, non, non, hey, pas de blague. Il nous reste ces 2 cm, c'est 2 cm pour tout le monde, donc je vais prendre 0,2 fois 9,5. Je tombe sur 1,9, donc évidemment, moi, ça va être 2. C'est un nombre de rangs pairs, donc on n'a pas vraiment le choix. Donc je mets 2, ou alors il aurait fallu que je mette 4, mais pas 3, c'est pas possible. Donc vous comptez vous aussi votre profondeur d'encolure. Et maintenant, du coup, il nous reste cette petite dimension à déduire. Donc là, je vais la placer juste au-dessus parce que je n'ai pas la place en dessous. Et donc là, réfléchissons, si j'ai 20 mailles au départ et que j'en ai 28 ensuite, ça veut dire que j'en ai rajouté 8. Combien j'en ai rajouté de chaque côté? Eh bien, je fais 28 moins 20. J'ai donc rajouté 8 mailles. Divisé par 2, j'ai donc rajouté 4 mailles de chaque côté. Hop. On va attaquer les devants. Donc déjà, on va vérifier qu'on voit bien où commence et où s'arrête un devant. Voilà. Et ce que vous n'avez pas manqué de remarquer, c'est que le devant est plus large que la moitié du dos. On aurait pu s'attendre à ce que le devant soit égal à la moitié du dos. Eh bien, regardez ici, ça faisait le dos fait 33 cm de large en tout, alors que un des devants fait 17,5.
17,5, c'est plus que la moitié de 33, puisque la moitié de 33, c'est 16,5. Alors ça, c'est tout à fait normal. Et parfois, c'est encore plus prononcé quand on y ajoute une bande avec des Et puis là, boutonnières. Je vais faire mon joli dessin et puis on va reporter les dimensions. Alors les dimensions, du coup, il faut faire un petit peu attention. On n'a pas besoin de tout. Donc ça, j'en ai besoin. Ça aussi. Ça, j'en ai pas besoin. Par contre, je prends celle-ci. Et là, j'en ai pas besoin. Je prends celle-ci. Et pour l'encolure. Ah ben non, il n'y a pas d'encolure, je suis bête. Justement, devant, il n'y a pas d'encolure. C'est un gilet où il y a une encolure qu'au dos. Donc, on n'en a pas besoin non plus. La hauteur totale, oui. Bien qu'on s'en serve pas vraiment. Allez, je note mon échantillon. Donc, ça y est, je l'ai déjà oublié. Putain, cette mémoire de poisson, c'est pas possible, quoi. 6 fois 9,5. Hein, vous vous souvenez que je m'étais plantée, mais je reste sur le même type d'échantillon. Je divise, comme d'habitude, par 10, 0,7, hop, 1,3, 2,3, 0,3. Alors 17,5, ça fait 1,75. 24,5, ça fait 2,45. Ok, et je fais pareil de l'autre côté. Alors là, je vais vous donner un petit conseil. Je vais vous conseiller de reprendre pour toutes ces dimensions-là exactement ce que vous avez pour le dos. Pourquoi? Parce que quand vous avez calculé pour le dos, vous avez peut-être fait des arrondis. Vous avez arrondi. Sauf que est-ce que vous avez arrondi au plus haut, enfin au plus grand ou au plus petit? Et il ne faut pas qu'il y ait de différence entre le dos et le devant. Ces dimensions-là sont exactement les mêmes que pour le dos. Il n'y a que celles-ci qui sont spécifiques au devant. Donc je vais calculer celle du devant, là. Et toutes celles-là, je vais aller récupérer ce que j'avais noté sur le dos dans la première partie du tuto. Donc 2,45, je vais commencer par en bas. Comme ça, si je dois arrondir, je verrai si je fais pair, impair, etc. 1,75 fois 6, 10,5. Je vais arrondir à 10. J'aurais pu faire 11 et avoir un chiffre impair ici. Je vais vous dire pourquoi. C'est parce que je suis vraiment ric-rac au niveau de la laine. Mais vraiment, vraiment. Donc j'arrondis au plus petit. Ici, 2,45. 6, 14,7, je vais rester sur 14. Et tout le reste, je vais aller le chercher sur mon dessin du dos. Ok, donc c'est fait. Ok, donc maintenant que vous avez fait tous les calculs pour votre patron, vous avez la possibilité de compter le nombre de pelotes qu'il vous faudra pour tricoter cet ouvrage en utilisant vos aiguilles, votre laine et votre façon de tricoter. Donc cet ouvrage, il est simple à calculer parce que le dos, c'est deux pièces comme ceci. Le devant, c'est pareil, un rectangle ici, un rectangle là. Donc, grâce à mon échantillon, j'ai fait tous les calculs que vous venez de voir. J'ai mis sur mon petit schéma le nombre de mailles et le nombre de rangs à tricoter pour faire. Donc, ces carrés, ces rectangles, 28 mailles sur 12 rangs ici, 20 mailles sur 24 rangs. Pareil pour les devants. Ensuite, j'ai donc du coup pu compter le nombre de mailles par pièce que j'ai additionné. J'ai rajouté 10% de marge, j'ai trouvé un premier total. Ici, j'ai fait pareil, j'ai pu compter le nombre de mailles par pièce que j'ai ajouté. J'ai rajouté mes 10% de marge de manœuvre et j'ai multiplié par 2 parce que j'ai deux demi-devants. Et j'ai trouvé un total ici. Les deux, ça faisait 1795 mètres divisé par 16 mailles au mètre linéaire. C'est le nombre de mailles que j'avais trouvé au moment où j'ai fait mon échantillon. Ça m'a fait 112 mètres, sachant que chaque pelote fait 60 mètres, ça me fait une pelote, 87. Et heureusement que je l'ai calculé à l'avance, parce que ce qui s'est passé, c'est qu'à l'origine, ici, j'aurais dû avoir 11 ou 12 mailles, et ici, je crois que c'est 15 ou 16 mailles de large. Et en faisant mes calculs, je me suis rendu compte qu'il me fallait, marge d'erreur comprise de 10%, plus de 2 pelotes. J'ai préféré pas prendre le risque, j'ai donc arrondi et diminué mes dimensions de largeur ici pour être sûr d'avoir assez de pelotes pour tricoter cet ouvrage pour le tuto. Notamment parce que la boutique Fil d'Art n'est pas à côté de chez moi et que j'hésite toujours moi, à commander sur internet parce que je trouve que les frais de port viennent gréver. Et puis bon, moi la laine, j'ai besoin de la toucher pour l'acheter. Donc voilà. Donc c'est une chose que vous pouvez faire. Vous pouvez faire vos calculs tels que vous avez prévu de faire votre ouvrage avec les bonnes dimensions. Vous rendre compte que à 10 mètres près, vous n'allez pas avoir assez de laine, vous ne voulez pas prendre le risque. Donc venez voir si vous ne pouvez pas très légèrement modifier, soit en hauteur, soit dans la largeur, vos dimensions, votre nombre de mailles, votre nombre de rangs,
pour que vous puissiez faire cet ouvrage, même si vous n'avez que les 4 pelotes nécessaires et pas plus. Donc là, je définis et je sais pas où c'est passé, mais enfin, voilà ce qui me reste hop, sur la pelote et un peu moins sur l'autre, parce que vous savez que quand on vous dit 60 mètres, si vous regardez bien, juste avant, il y a un signe plus ou moins, hein, c'est plus ou moins 60 mètres. Donc ça peut être moins, d'où les 10% de marge de manœuvre aussi, voyez-vous. Donc là, il me reste ça et sur l'autre un peu moins, notamment parce qu'il y avait une des deux pelotes qui, de toute évidence, avait moins de fil au total que l'autre. Voilà, je crois que c'est bon pour les calculs. Ben, profitez de vous entraîner là-dessus, hein, parce que franchement, pour le coup, il est assez simple à faire.